Voilà, j'ai mal à la calavicule. Allez, allô ? Allô ? Salut les filles. Comment vas-tu ? Le caca, c'est bon. Hein ? Moi, je suis Patrick, hein. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça ? C'est vous qui m'avez appelé, non ? Et vous-même ? C'est vous qui me téléphonez ? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais il va falloir que tu t'encules tout de suite, hein. Bravo, Patrick. Obsédé. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Il est magnifique, ce ta gueule, Patrick. Ouais, ta gueule. Magnifique, ça suffit, ce Patrick. Patrick qui fait des merveilles dans le double appel. Absolument, oui. Absolument. Bon, il est prêt. T'es prêt, Patrick ? Absolument, oui. Absolument. Bon, voilà, quand on galère un petit peu avec les familles, qu'on a du mal à les faire parler, Patrick peut intervenir. Bah, bien sûr, oui. Bah, évidemment, hein. C'est donc parti. On va filer quelque part en France. Bah, très bien, là. Bon. Chez qui on file ? Chez Jean-Jacques et Michel. Jean-Jacques et Michel. Ok. J'aurais préféré un Jackie à la place de Jean-Jacques. Bah, j'ai un oncle qui s'appelle Jackie, lui qui s'appelle Michel. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Allô ? C'est qui, ça ? Moi, je suis Patrick, hein. C'est quoi ces histoires-là ? Oui, comment vas-tu ? Oh, elle est pas gentille. Bah, attends, mais Patrick, il est... en c'est plus, pas cool, il est... ça. Il est resté extrêmement correct. Bah oui, Patrick, poli. Il était sympa, sympa comme tout, le Patrick. Ouais, vas-y, rappelle-en deux. Ah, il y a deux Allô ? Allô ? Bonjour. Oui, j'écoute. Ah. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. Pardon ? Oui, bonjour, je vous écoute. Ah, j'ai rien demandé, moi. Ah ben, moi non plus. C'est vous qui venez d'appeler sur mon poste, j'ai décroché, c'est vous que j'ai au téléphone. Ah ben non, moi j'ai pas appelé, madame, je vous assure. Et vous êtes qui ? Bah, je suis chauffeur de taxi, mais... Ah non, je peux vous garantir que ça a sonné sur mon portable, mais je n'ai pas appelé. Ah ben écoutez, je suis désolée, moi je suis chez moi, là. J'ai mon téléphone qui a sonné, j'ai décroché. Ça alors, je peux rien vous dire. Excusez-moi, mais je n'ai pas grave, tout appelé. Hein. Ça a sonné sur mon portable, j'ai décroché. Voilà. C'est pas grave. Merci, excusez-moi. Au revoir. Non, mais c'est un truc. Pardon ? Bah, c'est bon, le caca, c'est bon. Vous êtes de mon prénom ? Le caca, c'est bon. Non, mais moi... Le caca, c'est bon. C'est une bêtise, ça. Excusez-moi, madame, mais il y a quelqu'un qui est en train de faire n'importe quoi, je crois, là. Absolument. Non, mais on vous appelle pas, là. Je te prends un saucisson de cheval, oui. Et je te l'enfile. Bah, t'es malade, toi, ou quoi, là ? Saucisson de cheval. Ouais, bah, vas-y, allez. Oui ? Ah. Vous êtes qui ? Alors ? Non, mais je vous appelle pas, là. C'est quoi, cette connerie ? Je comprends rien du tout à ce que vous dites, là. Ça va pas, non, espèce d'idiot ? Mais je vous emmerde, madame, je vous ai pas appelé. Allez vous faire foutre. Vous êtes qui ? Un Patrick. Et Patrick qui ? Là, je suis bien en train de branler. Oh putain, espèce de con, ouais. Branle-toi un peu. Là. Espèce de connard. Je suis en train de masturber là. Eh bah oui, il adore ça, Patrick. Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu, ah, ça y est, pas grave. Oui, ouais, absolument. Ouais. Attention, attention, pas un double, pas un triple, mais un quadruple à peine. Eh ben voilà. Elles sont quatre. De quatre. Il y a eu le taxi, il y a eu la meuf au début, gentille comme tout. Ouais. Et après, il y a eu les deux autres magnifiques. Qui sont traités. Ah, splendide. Bravo, le magnifique famille. Le quadruple appel sur Skyrock. Et bravo, Patrick. Et bravo, ah ouais, bravo, voilà. Patrick. Écoutez deux secondes. Je vous le jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est commencé à me gaver, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Ouais. Oh, il y a des chevaux là. Oh là, il y a des chevaux là. Il y a des chevaux. Bon, le double appel, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. C'est la chicha, ça. Ça va le bordel. Allô ? Ouais. Oui, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bah, très bien là, bon. Moi, je suis Michel Patrick. Hein. Bonsoir. 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 Dites-moi tout. Hein ? Allô ? Oui. Oui. C'est qui ? Je ne sais pas, c'est vous qui m'avez appelé ? Ah, c'est moi que t'ai appelé ? Ouais, je pense que c'est des petits jeunes qui ont dû faire un truc d'une blague à la con et puis ils nous ont dû connecter en même temps sur les deux lignes. Ah, ça, je crois bien. C'est notre voix de truc du cul qui parle en même temps. C'est Cédric. Hein ? C'est Cédric. Voilà. Ah, ouais, Cédric. Une troisième voix derrière, c'est les petits jeunes qui font ça en numéro masqué. Ouais, c'est Cédric. Bonne soirée, monsieur. Merci, là, je suis à poil, là. T'es à poil ?
Et je peux dire que je vais t'aider. Là, je suis à poil, là. Tu es à poil, là, sale fèche. Tu veux te faire sodomiser, là? Hein? Tu veux te faire sodomiser, là? Je suis avec ta sœur, là. Doigt dans la chatte, là. Bravo, bravo Patrick, tu l'as eu jusqu'au bout. Ah ouais. Mais c'est sympa, pas du tout, ça va. Non, il était un petit peu nerveux. Ah moi j'ai trouvé super lui là, dis donc. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui. Oui, comment vas-tu? C'est qui? Moi je suis Patrick, hein. Ben, vous êtes trompé, je pense. Hein. Bonsoir, ça va bébé? Ouais, ça va et toi? Tu me manques un peu, non? Bonsoir, ça va bébé? En fait, j'ai un peu. Ouais, ça va et toi? C'est Cédric. Ah, ça va Cédric? Bien. Salut les filles! T'es là l'ancien. Et je peux dire que je vais te baiser. Moi aussi, je vais te baiser, je vais te la mettre dans le fion. Tu veux te faire sodomiser là? Ouais, j'arrive, je vais te la mettre dans le fion, attends. Connard. J'ai un petit sec de 21 cm. Oh, c'est trop petit pour moi, il faut une bite de blague, mec. Là, je suis à poil, là. Ah, bah attends, j'arrive, donne-moi ton adresse, j'arrive. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là. Ouais, tu viens, tu me donnes ton adresse, j'arrive. Des calottes complètement. Pardon, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Allô. Oui, c'est pour une tournante. C'est qui? Comment? C'est Guillaume et Florian. Bon, vous faites une tournante ou pas? Moi, je viens, je vous assure tous. C'est Cédric. Moi, je suis décaloté complètement. Ouais, qui veut sucer ma bite? Écoute, tu le suces bien. Ouais, tu me suces bien d'abord. Ah, je vais jouir. Ah, cool. Allô? Cool. Bonsoir. Comment? Allô? Ouais. Allô, je vous entends très mal. Tu me feras une pipe au champagne? Tu veux te faire sodomiser là? Eh bien, fin du multi-appel de ce soir. Super. Ouais, c'était bien. Super la Sicha, super les hôtels. Super. C'était très tournante. Et on recommencera un de ces processus. Bah, pas de problème. C'est vrai, un petit appel en nocturne comme ça, chez les gens qui bossent. Ouais. Ça les détend un peu, tu vois, ils galèrent. Bah ouais. Moi, j'aime bien les hôtels classe qui arrivent. Que le bonsoir. Et là, t'as Patrick qui arrive. Oui, je suis bien décaloté là. Bah ouais. Pourquoi les traiter en fait? Oh, j'ai bien décaloté là, tiens. J'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait, hein. Ah ben moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Votre ligne est piratée. Hein, j'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, ben moi aussi j'ai entendu. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne bite, là. Ah. Oh. Oh, bah dis donc. Oh. Impressionné la famille. Oh, elle a une bonne bite. Est-ce que Patrick est là? Est-ce que Patrick est dispo pour le double appel de ce soir? Ben Patrick est là, bien sûr. Absolument, ouais. Absolument, bien joué Patrick. Les familles sont là aussi, t'es ouais, prêt? Oui, ouais, c'est bon. Allez, bien sûr, oui. On prend les numéros que vous nous avez laissés, on va voir si les familles s'embrouillent aussi. Allô? Allô? Oui. Allô? Ouais. Allô? Ça fait un loup qui se... Allô? Ça se met encore en même temps. Allô? Allô? Il y a un problème dans le téléphone, là, dis donc, monsieur, là. Comment? Il y a un problème dans le téléphone là. Ah, vous êtes qui déjà? Bah je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Bah non, je m'appelle pas, Putain, c'est quoi ce délire là? Allô? Allô? Non. Allô? Bon. Allô? Ah putain. Dommage. Lui en plus je le sentais un peu. Elle allait partir. Dans le sujet du jour, je le sentais un petit peu vénère. Essaye de le rappeler lui et de le mettre en contact avec un autre peut-être. Le premier. Le premier qui a décroché très vite. Bon, ouais. Comment il s'appelle lui? Anthony. Alors Anthony, mets-le en contact avec une autre famille qu'on avait prévu d'appeler après. Allez. Avec qui? Allô? 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 Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Bah votre téléphone doit être déréglé parce que vous arrêtez pas de m'appeler là. Ça fait au moins 4 appels que j'ai à la suite là. N'arrête pas de sonner. En plus, mon fils est couché, donc ça m'enchante pas non plus. Bah écoutez. Ça sonne en même temps, là. Bah j'entends sonner derrière. Faut arrêter d'appeler, madame, s'il vous plaît. Bah je sais pas ce qui se passe. Ça va poser des problèmes, vous savez. Parce que moi je suis avec ma femme, qui est dépressive. J'en ai marre. C'est du harcèlement sexuel. Tout à l'heure, il appelle. C'est du harcèlement sexuel, a dit ma femme. Allô? La radio? Oh,
Ah, dommage. Pourtant, Patrick a été soft là. Oui, Patrick a été soft. Alors, attention, attention. Un autre, Samy, vas-y, fais péter qui tu veux. Allez, chez Xavier. Les deux qui sont là, ouais, c'est bien. Ça. Vas-y, 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 prépare. Tu peux en envoyer plusieurs. Allô. Allô. Ah, c'est allô. Oui. C'est qui, appareil? C'est Merci. Comment? Merci. C'est pourquoi, monsieur? Bah, c'est pour rien, monsieur. Je ne vous ai pas appelé, c'est vous qui m'avez appelé. Ah, bah non, parce qu'il avait un téléphone, je voulais vérifier. Vous êtes à... Non, c'est pas moi. Bah, c'est vous qui avez appelé. J'ai juste de répondre. Oui, je sais bien. Allez, c'est quelqu'un qui m'a appelé, mais je voulais vérifier le téléphone, ça sonnait tout seul. Belou? Oui. Belou? Oui. Belou? Allô? Belou? Bah oui, allez, je sais pas, ça sonne tout seul. Bah, c'est bizarre, ça. Oui. Oui, c'est pourquoi? Oui. Ils sont trois, là. Ouais, c'est qui? Mais t'arrêtes pas de m'appeler, c'est à toi de présenter, c'est pas moi, du con. C'est quoi? T'arrêtes pas de m'appeler, espèce de connard. Mais il te manque une case à toi, je t'ai pas appelé, t'es débile ou quoi? Ben pourquoi mon téléphone il sonne si tu m'appelles pas, du con? Et puis arrête de m'appeler du con, espèce d'abruti, va, qu'on t'arrase. Pour qui tu t'es pris, toi, tête de mort? T'es pas appelé, abruti, va. Va te faire niquer. Et ben voilà, on parlait d'énervement. Ah, lui, il est cool. Ah, bah ouais. C'était bien, là. Ah, il est bon, lui. Ah, bah, c'est pas mal. Donc, on remercie. Les familles, elles étaient trois, là. Hein. Donc, Janine Xavier, au début, est venue se greffer bah, le troisième. On sait même pas comment il s'appelle. C'était Laurent, si, si. Ah, arrête Laurent. De m'appeler tête de con. Arrête, tête de con. Donc, du Janine con. Xavier, Laurent, tête de con. Tête de con. Vous avez vu, les gens s'énervent. Il faut pas s'énerver comme ça. C'est vrai. Bah, ouais, tranquille, pisse. Ouais, cool. Il faut rester calme, tranquille. Regardez, nous, on n'est pas dérangé par le téléphone. On adore même que le téléphone de Skyrock qui sonne tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a d'autres numéros à tester. T'en as deux autres, Samy? Ouais, vas-y, hein. Allez, vas-y, un petit dernier pour la route. Vas-y, fais péter les deux autres. C'est excellent, là. Attention. Chez Jean-Pierre et Jean-Denis. Jean-Pierre et Jean-Denis, c'est la bataille des gens, maintenant. Allô? Allô? Allô, oui? Oui. Allô? Allô, oui? Oui. Allô, oui? Oui, c'est qui, là? C'est Jean-Pierre. Quel Jean-Pierre? Ah, vous avez trompé le numéro de téléphone. Oui. Bah alors, faut arrêter d'appeler, comme ça, dites donc. Non, j'ai pas appelé. Bah attends, mon téléphone sonne, ma femme est témoin d'ailleurs. Non, bah je vous ai pas appelé du tout, alors arrêtez de dire des conneries. Je vous arrêtez, appelé, monsieur, je suis dépressive. Ma femme est dépressive et elle a un peu plus d'entendre sonner le téléphone à 10h-10 là. J'en peux... mais j'ai pas appelé, hein. C'est bon là, vous arrêtez là, j'appelle les flics sinon. Hein. Vous avez vu l'heure, ne criez pas, monsieur, ma femme est dépressive. Vous avez vu l'heure, il est 10h-10. Ok, bah j'appelle les flics, ok. Les flics, ils ont autre chose à faire et d'ailleurs, je travaille dans la police, monsieur. Allô? Allô? Les mecs sont à bout de nerfs. Ben, vous l'avez, j'appelle pas. Les mecs sont à bout de nerfs. Il reste un, vous êtes là, monsieur? Moi, je le rappelle. Tu n'as rien compris, tu dis plus rien depuis tout à l'heure. Tu veux le rappeler? Ouais, tu dis que c'est la police. Allez, vas-y, très bien. Voilà, on peut le virer. T'as pas une musique de police? Attends, une petite musique de police. C'est pour donner un peu l'impression que je suis vraiment de la police. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, c'est oui. La police nationale au téléphone. On m'a dit que vous aviez des problèmes de téléphone. Les experts. Oh. Non, mais vous voyez, vous foutez de la gueule du monde, là, d'ailleurs. Ah, pas du tout, monsieur, parlez bien aux forces de l'ordre, s'il vous plaît, on a beaucoup de travail ces temps-ci. J'ai une dame dépressive qui m'a appelé pour me dire que son téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis tout à l'heure. Non, bah c'est pas moi qui appelle, alors. Je suis témoin, c'est lui. Oui, elle est en face de moi, d'ailleurs. Bonjour, madame. Il me fait du harcèlement sexuel. Tu reconnais la voix. Vous avez fait du harcèlement sexuel, d'après ce qu'on m'a dit. Ah, j'ai fait du harcèlement sexuel. Ah, du ouais, harcèlement sexuel, c'est exactement, cool. Monsieur. Non, mais c'est chouette, c'est cool. Hein. Oui, vous parlez mal au téléphone, vous faites du harcèlement sexuel. Vous foulez pas de la gueule du monde, là. Monsieur l'agent. Je vais descendre au commissariat, vous verrez bien. Ah, bah on y est au commissariat, du con. J'y suis. Allô? Allô? Non, mais moi je réponds pas, moi je vais descendre, je réponds pas. Allez. Bien joué, ma femme dépressive. Tu fais super bien la femme dépressive, Romano. Ah bah c'est ça. Magnifique. Bon, vous voyez que les gens s'énervent pour rien. Moi je dis, il faut rester calme. T'es mieux. C'est énervé, il a dit, je réponds pas. Ah, c'est bien, c'est du harmon, je fais du harmon, c'est du harmon. Écoutez deux secondes. Oui. Je vous jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, ça commence à me gaver. Hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Difool sur Skyrock. Oh, il y a des chevaux là. Il y a de tout. Ah bah oui, il y a tout. Bah oui, il y a de tout. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, allô. Qui c'est l'appareil? Bah, je sais pas, vous appelez qui? Il est bien, lui. Allô? Allô? Numéro 14 qui rentre, j'ai entendu. Hein. Allô? Allô? Oui, monsieur, oui, c'est vous qui regardez le match de foot?
Pas du tout, non. Ah, parce que il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, qui regardait le match de foot, et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de m'appeler, et ma femme est dépressive. Et donc, J'en ai marre, monsieur. Le téléphone, ça la met dans un état pas possible. Faudra arrêter de faire mon numéro, monsieur. Ouais, bah c'est bon, vos conneries. Bah, attends, Toto, mais tu parles meilleur d'ailleurs, parce que ma femme est dépressive. Ah, tu vois, tu fais bien la dépressive, Romano. Bah ouais. J'adore. Mais tu es pas sorti avec une dépressive gothique? Non, elle était pas dépressive quand même. Elle avait pas des petits coups de déprime de temps à autre parce qu'elle était en batch. Non, mais elle était cinglée. Mais... Ah, elle était cinglée. Mais bon, c'est en même temps, ça. Elle avait des bons gènes. Hein. Sa mère étant complètement braque. Vas-y, renvoie de la famille. Allez. Et on suit ça. Allez, logiquement, on n'a pas le droit de parler aux familles. Arnaud et Jean-Paul. Donc on parle pas aux familles, on les met en contact avec Patrick à la limite. Il est là, Patrick. Allô? Oui, ça va, Patrick? Oui, comment vas-tu? Ouais, ça va, très bien, bien. Bah, très bien, là, bon. Bah, écoute, c'est bien, toi aussi. C'est excellent, là. Bah, c'est excellent, pour l'instant, ça sonne. On va voir ce que ça va donner. D'accord, oui. Ça sonne. Et. Ah, il y en a un. Allô? Allô? Bonjour. Allô? 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 Oui, comment vas-tu? C'est de la part de qui? Moi, je suis Patrick, hein. Patrick. Voilà. Allô? Allô, je te reconnais pas, là. Allô? Allô? Ouais, qui c'est, là, au téléphone, là? Ouais, que c'est que tu veux? Ben, je sais pas, moi, qui vous êtes? Ah, que c'est que tu veux? Qui c'est que vous êtes? Ouais. Ben, non, mais d'abord, qui tu es? Puisque c'est toi qui m'appelles. Non, c'est pas moi qui appelle. Ça va être chez moi. Oh, hé. Bon, c'est bien. On va appeler, on va appeler la gendarmerie, après, c'est tout terminé. On attend oui, le numéro. Absolument, oui. Y a pas de problème. Moi, je suis Patrick, hein. Oui. Bon, moi, je vais appeler la gendarmerie. Et puis, tu vas voir comment ça se passe. Absolument, oui. D'accord? D'accord. Au revoir. J'ai des godes. Et je peux te dire que je vais te baiser. C'est parti. Bonsoir, toi. Bravo. Bravo, Patrick. Ah, Patrick, bon travail. Bravo, Patrick. Bravo, les familles. On peut dire bravo, les familles, pour les deux n'ont absolument rien contre. Ouais, vas-y, on le rappelle direct. On l'appelle les mêmes, là? Ouais. Ah, tu les reprends? Ouais, très bien. Ah, oui, c'est excellent, bien. Là. Oui, Patrick, c'est pas mal, Patrick. Là, c'est bien parti pour le double appel. En plus, ils ont des voix, les deux, là. Allô? Oui? Allô? Oui? Moi, je suis Patrick, hein. Oui, et bien, et puis après? Bah, je crois que tu viens de me masser, mais pas simplement ça, hein. Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Ouais, absolument, oui. J'ai des godes. Par contre, tu mets une capote derrière. Décalote complètement. Moi, je suis décaloté complètement. Ah. Il est en érection ou pas? Là, je suis à poil. Ah bah c'est merde, est parti. Ah, parti. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il était quand même très excitant. Ah bah magnifique. C'est vrai? Ah ouais. Eh bah oui. J'ai envie de décaloter comme ah bah trop. Ah, Cédric, t'es intéressé par Patrick? Non, ça décalote va. Décalote complètement. Ah, je laisse pas les familles, Patrick. Oui, alors il l'adore en plus. Bon, un autre. On y retourne. Allez, on y va. C'est reparti. Nouvelle famille. Allô? 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 Oui. Bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? Je vous pose la question, c'est vous qui m'appelez? Ah non, j'ai pas appelé. Non, j'ai absolument pas appelé, non. Bah, vous venez d'appeler sur mon numéro, vu que c'est moi qui décroche. Oui, mais je regarde un film, je suis pas servi de mon téléphone, alors c'est quand même bizarre. Hein. Je m'en doute. Tu regardes pas le foot? Tu regardes pas le foot? Si, je regarde le foot. Ouais. Attends, tu regardes le foot. Bien. Et toi, tu regardes un film? Oui. Tu regardes quel film? Je sais pas, un film de cow-boy, mais c'est qui? Film de cow-boy, c'est sympa. C'est Lucky Luke. Écoute, tu le suis bien. Qui, le cow-boy? Bah moi, je suis à Walpé, là, comme d'habitude. Allô? Oui, surtout si elle commence à bien te frotter, puis à bien te sucer et tout. Eh ouais, Patrick, il y en a qui est là, qui écoute. Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Il y en a qui écoute, Patrick, parce que ça l'excite. Tu peux lui pincer les seins en même temps? T'as déjà sucé sous la douche? Ah ouais. Bon, je raccroche. Vas-y. Je raccroche. Patrick. Très bien, bon, il y en a qui regardent le match de foot, qui regardent un film de cow-boy. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de cow-boy. Ah bah lui, il est à fond dessus. Vous aimez les films de cow-boy? C'est quoi, genre avec John Wayne, Bob Spencer, tout ça, quoi. Non, c'est Terence Hill et Bud Spencer. Ouais, Bud Spencer. Bob Spencer. C'est pareil. C'est pas Bob. Bon. Si t'en as pas, moi j'ai un truc à vous faire écouter aussi. Il faut que je fasse écouter puisqu'on parle de film. Justement, vous allez voir dans un instant là. Alors, on appelle. C'est quoi, Jean et Dominique? C'est Dominique et Guillaume. Dominique et Guillaume. Parce que j'ai toutes les fiches avec tous les numéros que vous avez laissés. C'est bien, vous avez déchiré hein, quand même. Allô? 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 Oui.
Allô. Oui, comment vas-tu? Oui, c'est qui l'appareil? Bah, devine. Moi, je suis Patrick, hein. Patrick, ouais, c'est pas drôle, il est 22h30, là, monsieur. 22h15. Ah, c'est bon, là. Allô? Oui. Allô? Oui. Ouais, dans la chatte, là. Comment? T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? C'est qui? Moi je suis Patrick. Hein. Vous avez rien à faire? Bah, il faudrait que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Et je peux te dire que je vais te baiser doigt dans la chatte, là. Moi, je suis décaloté complètement. Allô? Oui. Là, je suis à poil, là. Et alors? J'ai un petit sexe de 21 cm. Je m'en fous. Et je peux te dire que je vais te baiser. Tu la branles bien, là? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout, hein. Deux, trois doigts dans le cul. Allô? J'ai un petit sexe de 21 cm. Tu peux lui pincer les seins en même temps? Oh bah tiens, ouais, on peut y aller. Hein. T'as déjà sucé sous la douche? Ah tiens. Non, je crois que là, je crois qu'on lui a fait. On lui a fait sucer sous la douche. Tu l'embranles bien, doigt dans la chatte. Il nous manquait, qu'est-ce qui nous manquait? On lui a fait la totale. La totale. Et je peux te dire que je vais te baiser. Ah ouais, ça on avait oublié. Ah bah il manquait le célèbre aussi. On avait oublié. Encule-le. Eh bien, merci à toutes les familles. Il faut qu'il t'encule. Pour ce double appel, merci Patrick aussi. Ouais, Patrick, du calme un peu. Qui était en pleine forme. Allô? Oh, enfin, salut les gars! C'est qui? Je peux te parler une petite seconde, s'il te plaît? Bah, vas-y, parle, je te demande que c'est qui, Quitte le Parisien! Ouais, bah, tu veux quoi? C'est quoi ton petit nom? Moi, c'est Gérald. T'as de beaux yeux, tu sais. Ouais, moi aussi, je t'emmerde. Ça va, reste zen! Ouais, non, mais reste zen de quoi, toi? C'est pas ton problème, toi, là, mes couilles, là. Toi et moi, on forme une super équipe, tu voudrais pas qu'on aille vers le sud ensemble? De quoi? J'en ai rien à foutre que tu sois dans le sud ou à Paris ou je sais pas d'où, en Afghanistan ou en New York. Qu'est-ce que tu m'appelles comme ça, là? Attends, tu veux pas aller dans le sud? Le changement de saison, l'instinct migratoire, non, ça te dit rien, ça, peut-être. Le changement de saison? Ouais, t'inquiète pas, je vais te le faire, le changement de saison. Ouais, moi, je m'en bats les couilles de ta saison de merde. J'habite pas dans le sud, moi. Hein. Bien joué, Sid. Bien joué. Il est fort. Bien joué, Sid, bien joué. C'est Sid de l'âge de glace, on a des stars dans le morning. Bon, évidemment, on l'a rappelé, hein, derrière. Ah bah évidemment, on lui a repassé un petit coup de fil. Ah, Gérald. Echid. Echid, oui, Echid, c'est le paresseux. Echid. Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Oula, tu nous connais pas. C'est la femme. Une gonzesse, on a peur, appelle plus chez vous, j'y crois. Tu sais, mon ex, c'est pas une gonzesse, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est juste toi, hein. Tu sais quoi, t'as dû avoir mon numéro, moi je vais te dire par qui t'as eu mon numéro. Ah. T'as eu notre numéro par Laure, n'est-ce pas? Par Laure. Ouais. Ouais, j'en étais sûre. Et de où elle a donné notre numéro, elle? Vous avez un très très petit cerveau. De quoi? On vous l'a déjà dit, c'est un fait, c'est pas pour vous faire de la peine, mais vous savez probablement même pas de quoi je parle. Elle vous a dit qu'on avait pas de cerveau, mais tu crois qu'elle en a un cerveau? Eh ben, tu sais quoi, du jour aujourd'hui, elle est cocu jusqu'à l'os. Donc, à la base, voilà, tu vois, carrément, tu vois. Tu dis ça, mais tu ne penses pas, hein. Et tu sais quoi, son mari, c'est mon beau-frère. Mon mari va l'appeler son frère. Ah. Va se retrouver seul comme un grenier. Ouais, bah toi, à mon avis, t'as dû toi trop te mettre de poudre dans les narines, mon gamin. Je suis un génie. Ah, t'es un génie, ouais. Génie de quoi, de mon cul, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un fan club. Ah, ton fan club, parce que t'as un fan club, non, c'est Laure qui fait partie de ton fan club. Tu sais quoi, va dire à Laure qu'elle aille se faire enculer, non, tu sais. Déjà, je sais pas pourquoi elle nous pète les couilles encore. Ça, c'est pas ça, c'est un mytho, hein, c'est pas... Si, si, il a dit, si, si. Ben non, mais t'inquiète. C'est kidnappé par une tribu de mini paresseux. Ah, t'as été kidnappé par des mini paresseux. T'as pas été kidnappé par un gang de nains, des fois, non? Ah non, désolé. Non, allez, va te faire enculer, connard. Voilà. Bien vu, les filles, je suis mort de rire. Eh, bien joué, Sid. Sid et l'âge de glace. Ah, on a fêté ça ce matin. Meilleur film de... Enfin, meilleur bah, c'est qui c'est? C'est Laure. C'est Laure. Elle est cocu jusqu'à l'os. Et cette pauvre Laure qui n'y est pour rien, hein, quand même. Hein. Ouais, carrément, ah, ouais. Elle s'en est pris plein la gueule. Le numéro, on l'a pris complètement au hasard dans l'annuaire, hein, ça. Attends, mon mari va appeler son mari. Tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. C'est Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Default sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Ah bah, Marie. Va te faire enculer, connasse. Ah voilà, connasse. Ah, voilà, petit connasse pour la Marie. Ouais, ouais, c'est sympa. Va te faire enculer, connasse. Ouais, toujours agréable. Patrick et Cédric, mais comment faire plus excitant avec, un téléphone? Ah, ça, c'est le couple. Ah, je crois que là, c'est difficile de faire mieux. Cédric, je vais te faire un compliment. Tu es aussi excitant et aussi sensuel que Patrick. Ah, c'est gentil, merci. Ça lui fait plaisir. Ah, il est content. Ça lui fait plaisir. Non, mais.
Et oui, peut-être que quand tu seras un petit peu plus vieux, tu seras comme lui. Ah, j'espère pas. Mais c'est le même âge, non? Bah, pratiquement le même âge, je crois. Oh, t'es malade, toi, quoi. Il me semble. Non, j'ai 25 ans, moi. Bon, Patrick est prêt, a priori. Ouais, absolument. Absolument, on va faire un petit double appel, Patrick. C'est excellent, là. Et ouais, c'est excellent, on est prêt. Ah, c'est bon, là. Ah oui, c'est bon. Donc, Patrick, lui, on l'a dans l'ordinateur. Ça, c'est pour nous aider si on a un petit problème avec les familles. On appelle les familles de France, on les met en contact et on attend de voir ce qui se passe. Moi, je suis Patrick. Hein. Je sais, tu es Patrick et tu es le bienvenu sur Skyrock. Attention, hashtag double appel, hashtag ça déchire, hashtag on va chez qui? Hashtag 6-2. Allô? Oui? Allô? Oui? Qui c'est? Mais c'est qui? C'est vous êtes qui? Pourquoi? Non mais c'est vous qui nous appelez plus trois, ça fait trois fois. J'entends, j'entends rien. Qui c'est? Vous êtes vraiment des gamins, vous avez rien à faire d'autre au moins. Eh, vous avez perdu, vous êtes raté dans votre vie, c'est un truc de fou quand même. Qui? Eh mais arrêtez, vous êtes vraiment des gamins. Hein. Je voudrais bien savoir qui c'est. Non mais vous foutez de nous quoi. Alors en gros, j'ai envie de mettre du temps pour rire et... Non bah ça y est, c'est enregistré la tête. Non mais vous croyez très intelligent, c'est un truc de fou quand même. Hein. Comment? Non, c'est moi je comprends rien à votre histoire, c'est vous qui cherchez, hein. Vous vous foutez pas de ma gueule, là, par hasard? Non, mais vous nous prenez... vous êtes cru, on était bêtes ou quoi? On foutait pas de compagnie. Ah bah non, parce que je suis en famille et le téléphone, j'ai pas appelé, hein. Ah. Le caca, c'est bon. Comment? N'importe quoi, là. L'intelligence, ça déborde, en tout cas, chez vous, hein. T'es avec ton copain, là? Bah, dites-moi, vous êtes qui, puis après, je vous passerai, si vous voulez. Bah, mon mari n'est même pas là. Bande-toi un peu, là. Très intelligent. Bah, là, c'est la mère, là. Je vois n'importe quoi, là, ce que vous dites, là. J'espère que vous amusez bien, hein. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Vous n'avez rien à branler, bah, moi aussi. Absolument. Absolument, oui. Moi, je suis Patrick. Hein. Ah merde, l'autre est parti aussi. Ah putain, mais l'autre, elle ne comprenait rien. Super, j'adore. Tu sais, Romano, quand ils comprennent rien, c'est ce que je préfère. Non, c'est très bien parce que Cédric est intervenu en disant sa célèbre phrase. Le caca, c'est bon. Oui, Cédric. Ouais. Et derrière, la dame dit, l'intelligence, elle déborde chez vous. Elle s'est rendue compte, Cédric, que tu étais très intelligent. T'as vu un peu? Mais oh, oui. Ouais. Et ça fait plaisir. Ben oui, parce que t'arrives directement, en plein milieu d'un appel comme ça, bladadam, tu dis, le caca, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est chacun bon, ses goûts, Cédric. Tu manges ce que tu veux. Nous, vraiment, on est total liberté. Moi, je mange de la merde. Je sais. Ça, c'est sympa. Et elle intervient derrière. Elle fait l'intelligence. Eh bien, elle déborde. Je tiens quand même à vous dire que ce double appel était enregistré par les familles. Vous avez entendu. Ouais. Ah bah, c'est bien pour le réécouter. Donc, elles pourront elles-mêmes en profiter, le réécouter. Et c'est ça. Ça nous fait également très, très, très plaisir. C'est excellent, là. Je sais. Bah, pour l'instant, ça sonne, ça répond pas. Ah. Allô? 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 Oui, comment vas-tu? Moi, je suis Patrick. Hein. Patrick, allô, quoi? Allô? Oui. Bah, parlez. Bah, parlez pour faire quoi? Bah, je sais pas, t'appelles, tu parles. Non, c'est toi qui appelles. Oui, bah, comment vas-tu? Moi, je t'ai pas appelé. Oui, absolument, oui. Ouais. Bah, t'es un peu déchiré, quand même. Bah, il faut que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Ah, il est parti. Ah ouais, dommage. Il est parti. Dommage. Et l'autre n'est pas resté longtemps. Hein. Non. L'autre, il a fait un aller-retour. J'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait. Hein. Ah bah moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, bah moi, non, moi aussi j'ai entendu. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne bite, là. Ah, Patrick. Oh. Oh bah attends, comme elle était heureuse. Eh oui, comme elle était plaisir. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi sensuel que Patrick au téléphone pour une femme, j'imagine. Ah ouais, grave. Ah, je mets à votre place, les filles, je me dis que j'adorerais avoir... Bah je mouille. Oh putain, tu m'étonnes. Ah Marie, tu mouilles. Oh bah, super excitant. Hein. Eh ouais, bien. Moi je suis décaloté complètement. Oh. Bah écoute... Ah ouais. C'est de mieux en mieux, une quoi. Une bien belle soirée de mieux en mieux. Bon, Patrick, vous l'entendez, lui dans notre machine, hein, c'est pour nous aider quand les familles, on a du mal à les retenir. Okay. C'est bon, il est prêt. Samy, t'es prêt aussi? Ouais, je vois que les numéros sont prêts. On appelle qui ce soir? Bernard et Michel pour commencer. Ah, Bernard et Michel. Ah, dommage, c'est pas Jackie. Pour commencer, bah, c'est vrai. Bien, là, bon. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Oui, comment vas-tu? C'est qui? Moi, je suis Patrick, hein. Erreur, hein. Bah moi je suis à Wolpé là comme d'habitude. Comment? Oh, ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allô? Non. Pas...
Patrick, je t'ai déjà dit de ne pas y aller si fort. Ouais, faut y aller un peu plus soft, Patrick. Oui, un petit peu plus soft. Je sais pas, tu pourrais dire un truc un peu plus sexy. De trois doigts dans le cul. Non. Ah là, ça c'est nickel. Non, non, ça c'est encore c'est un peu trop. Non, plus. Je pense de Mila, moi j'adore ça. Non plus. Ah ouais. Tu vois, Patrick, non plus. Ça non plus. Non, ça va pas le faire. Bon, alors, qui c'est qu'on a? Ah, on va chez Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah. Et... Allô. 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 Le loup. Allô. Oui. Allô. Oui. 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 Comment vas-tu? Ça va. Bah très bien là. Bon. Moi je suis Patrick. Hein. Moi je suis Patrick. Hein. Patrick. Bon. J'attends. Décalote complètement. Voilà. Attaque. Ah, vas-y. Voilà. T'as déjà sucé sous la douche? Et je peux te dire que je vais te baiser. Là, je suis à poil, là. Oui, et alors? Ah, bah, je sais pas, ce demi-là, moi, j'adore ça. Bon. Tu veux te faire ce demi-là, là? Bah, pas précisément, non. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là? Oui, bah voilà. Deux, trois doigts dans le cul. Ouais. Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Ouais. Tu mets un petit peu de savon, là, tu la sodomises, ça fait du bien. Eh ben oui, il n'y a pas de problème. Allô, allô. Allô. Oui. J'ai des saucissons de cheval. Ça, c'est bon. Ouais. C'est saucissons de cheval, t'en fais quoi? Je te prends un saucisson de cheval et je te l'enfile. Là. Mmh. Bande-toi un peu. Là. Vas-y. Vas-y. T'es avec ton copain, là? Bah, je vais te branler. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture, là. Ouais. 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 Allez, Jean-Pierre. Et je peux te dire que je vais te baiser... Bien comme il faut. Bon, c'est bien. Eh ben, écoute, c'est bien, Jean-Pierre. C'est bien. Je vais faire partouzer. Il est sympa, notre copain? Oui, oui, pas de problème. Bah, écoute, il est comme ça tout le temps, hein. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'il t'a pas dérangé, quand même, hein. Non, ça me dérange jamais. Bon, bah écoute, très très bien. Tu mets une capote derrière. Oui, il veut que tu mettes une capote derrière. Oui, bah tu vois, mon copain est un peu bizarre, mais quand même, il met toujours la capote, il est quand même prudent. Hein. On sort couvert. Ah, bah ouais, toujours aussi couvert. J'aime très bien. De 21 cm. Oui, alors les décrits sont sexe, bon, on va laisser tomber. Ah, oula, le sexe de 21 cm, je suis pas sûr que ça te mette en appétit ce soir, Jean-Pierre. pas sûr. Ah, Patrick est tellement vulgaire que ça paraît presque naturel en sortant de sa bouche. C'est le message de Diablo. Merci Diablo. Merci Jean-Pierre. On te souhaite une bonne nuit. Hein. Allez, bisous. Bisous Jean-Pierre. Ah, bisous Jean-Pierre. Ouais. Okay. Salut Jean-Pierre. Ah, c'est bon là. Lui, il était sympa Jean-Pierre. Ah ouais, c'est excellent. Là. Excellent, oui. Il s'est fait un double appel tout seul avec Patrick. Ouais, hein, c'est donc, ça. Ouais. Ah, il était content. Il était. Hein. Et ouais, Patrick réussit à se serrer, on nous dit là sur les messages. Là. Bon, allez, dernier. Janine et Sandrine. Ouais. Sandrine, ça ne répond pas si Janine et Sandrine. Allô. Ah. Oui. Non. Oui. Non. J'écoute. Oui, vous voulez quoi? Eh, vous avez fini de faire le con, oui? Excusez-moi, c'est vous qui m'appelez, hein. Allô? Oui, allô? Oui. Eh ben, qui c'est? Bah, qui c'est vous, qui c'est? Vous arrêtez-vous, ça fait déjà deux fois que ça appelle sur notre téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, appelez ailleurs. Hein? Téléphonez à quelqu'un d'autre. Bien. Et qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Patrick. Patrick. Patrick, quel Patrick? Cédric. Salut les filles. Oh, ça suffit, hein. Attends. Ah, c'est finir en beauté. Cette magnifique voix qui nous manque beaucoup ce soir, voix de Cédric. Voilà, ouais. Et encore une fois, rejet de la part de la famille. Ah, non, mais vous avez vu quand même, Patrick, tout à l'heure, il a tenu le mec, je sais pas, 5 minutes en lui envoyant des trucs de ce style. J'ai des godes. Ouais, le saucisson de cheval. Aussi. Saucisson de cheval. Bon, ouais, dans la chatte, là. Dans la chatte, tu veux. Pendant 3-4-5 minutes, il est resté au téléphone avec. J'envoie la voix de Cédric, le magnifique. Salut les filles. Salut les filles. Fatal. Et là, blam. Au revoir, raccrochage direct, c'est quand même fou. Oui, bah c'est qui là? C'est quoi? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah moi, c'est moi, je veux savoir qui vous êtes. Oula. D'abord. Le double c'est appel cabané. De Diffoul sur Skyrock. Je te dis au revoir et je t'emmerde, et puis de toute manière, tu viens plus me rappeler. Et de toute manière, tu viens plus me rappeler. Ben voilà. On a bien noté le message. Et la dame, elle avait fêté la foire au vin, non? Je la souviens, c'est ça. Je ne me rappelle plus. Allô? Lui aussi, il est parti. Allô? Non, c'est bon, Patrick Ducamot, il est surexcité. Je sais pas ce qui lui arrive. Oui, comment vas-tu? Merci, Patrick.
Alors, on va chez qui? Allô? Oui. Ah. Le loup? Comment? Le loup? Vous exagérez peut-être pas un petit peu ce coup-ci? Non. Non? Bon ben, faites vos conneries ailleurs, nous on travaille, monsieur. Ah ben madame, faut arrêter de nous appeler, hein. Oh... T'as été au taquet, là. Tu dis allô. Moi, je comprends pas ces gens. J'irai pas un peu, là. Mais, c'est le week-end. Tu dis allô, bah écoute. Répondre non. À votre appel pour. Voilà, c'est le week-end, on est tranquille comme ça, et l'autre, elle est déjà à bout de l'air. Allô? Et on va aller où? Alors, des hôtels, des épiceries, des pizzerias. Alors, des hôtels, des épiceries. Épiceries, pourquoi tu dis ça comme ça? Je sais pas, parce qu'en même temps, j'étais en train de lire Ibis. Voilà, des épiceries. Ouais, des épiceries. Et voilà, pizzeria. J'ai même un club échangiste. On va apprendre à parler, ma gueule. Un standardiste d'une chaîne de télé. Ah ouais, c'est bien. L'agent de sécu. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est parti. On y va. Donc là, il y en a trois qui sont appelés en direct. Au hôtel Ibis, centre des Ports, Delphine, bonsoir. Allô? Hôtel Fédéral. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui, comment vas-tu? Allô? Pardon? Hôtel Régina Montfort. Excusez-moi? Allô? Oui. Ben, moi, je suis bonsoir. Patrick, hein. Allô? Allô? Des calottes complètement. Salut les filles! C'est Skyrock. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Salut les filles! Salut les filles! Salut Skyrock! Skyrock! Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Et je peux dire que je vais te baiser. Pardon? Et je peux dire que je vais te baiser. Je vous attends mal là. Moi, je suis décaloté complètement. Je suis en train de m'assurer. Vous voulez parler à qui? Voilà. Vous voulez parler à qui? À toi. Bordeaux, Dominique, bonsoir. Bah, il faudrait que tu viennes me masser, mais pas simplement ça, hein. Allô? Vous voulez parler à qui? Sébastien, bonsoir. De trois doigts dans le cul. Allô? Trois ou quatre? Bonne soirée, au revoir. Tu mets un petit peu de savon, là, tu l'as sodomie, ça fait du bien. Ah oui. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Ah ouais, bah tape-la toi sur le bord du lavabo. Allô? Ça te faire du bien. Absolument. Allez, salut mon pote. Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Elle bave là, bah, c'est bien là. Ah, y'a plus personne. Putain, ils sont tous coupés, ouais. Ils sont tous partis. Bravo, ils ont une petite salve quand même. Bravo, Patrick. Attends, il reste le mec qui nous avait reconnu. Ah, allez, là, on va le prendre. Skyrock, toi, t'as pas raccroché, c'est bien. C'est bien, t'es toujours là. On t'avait mis en antenne, t'as failli nous faire foirer notre truc. T'es qui, toi? T'es une pizzeria? Non, t'es qui? T'es un hôtel, toi? Ouais, t'es quoi? Hôtel? Ouais, hôtel, ouais. Hôtel. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. C'est quoi ton prénom? Anthony. Bon, tu as eu quelques hôtels, un club échangiste. Un standard de télé. Il reste des numéros ou pas? Et une épicerie également, là. Ok. Tu passes jusqu'à quelle heure, toi? Jusque 7h. Ouais, écoute, bon courage. Hein, bah, branche-toi sur Sky, très bien. Merci, ouais, en plus, j'écoute alors. Parfait. Tu as reconnu le célèbre. Salut les filles. Salut les filles. Ouais. Salut les filles. C'est Cédric. Hein. Bon, on va t'envoyer un cadeau, tu bouges pas. Ok, ça marche. Tu bouges merci. Pas. Allez, merci à toi. Bon ciao. Courage, hein. Ciao. Bonne nuit, salut. Bon courage au taf. Bon, là, on en appelle deux déjà. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ça va et toi? Allô? Bah, très bien, là. Bon, moi je suis décaloté complètement. Oui, t'es où là? Ouais, dans la chatte là. L'impact, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, qui c'est? Anthony. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Oui. Allô? Oui. Bah, je vous écoute. Bah, je voulais écouter, oui, bah alors. Bah, qu'est-ce que vous voulez quoi? Bah, je veux rien moi. Bah, alors, pour vous m'appeler là. Bah, c'est vous qui m'appelez, monsieur. Bon, allez, bonne soirée. Hein. Tu veux te faire ce demi-dé là? Ah merde, l'impact c'est un club gay qui est juste à côté d'ici. C'est le club gay naturiste c'est du quartier. C'est ça, ouais. C'est le QG de Cédric. Ouais, c'est ça, il y traîne en permanence. Oh, Cédric, on t'entend derrière. Absolument, oui. Allô? Sécurité M6, bonjour. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oh, mais écoutez, qu'est-ce qui se passe là? Moi, oui, je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, hein. Allô? Oui, de trois doigts dans le cul. Allô? De trois doigts dans le cul. Allô? Branche-toi un peu là. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui. Allô. Oui, oui. Bonsoir, oui, oui, je vous écoute. Je sais pas si c'est vous qui m'avez appelé. Allô. Ah non, vous devez vous tromper. C'est pas grave, je vous en prie. Au revoir. Ah, très bien, ça nous laisse quel le temps. Quel suspense. Ça nous laisse le temps de gérer le double appel, parce que les familles sont prêtes, et j'ai Samy qui gigote depuis tout à l'heure. Aïe, aïe, le con, il me demande de préparer les numéros et que le double appel, il le fait pas. Et Patrick est prêt. Hein. Et Patrick est prêt. Ok, et bien tout le monde est prêt. Double appel, nous aussi. C'est parti. Écoutez deux secondes. Oui. Je vous le jure qu'on n'appelle pas. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Là, c'est comment ça me gavait, hein. Bah, c'est vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Le double appel de Default sur Skyrock. Il y a des chevaux là. Ah bah attendez, il y a des chevaux. Ah là. C'est bon là. Ah bah c'est bon. Il y en a qui nous réclament des multi-appels. Vous avez adoré le multi-appel de vendredi. Ouais, c'est drôle. C'est excellent là. Tiens, il y avait un numéro de téléphone avec des gens qui étaient, avec des numéros qui étaient tous dans le même quartier. Samy, ouais, tu l'as testé tout ouais, à l'heure. C'est bon, t'inquiète. Il fait partie de la liste. D'accord, c'est le numéro que vous avez laissé. Absolument, le numéro que vous avez laissé, Lauriane. Il y en a plusieurs. Lauriane, on va essayer. D'ailleurs, je sais pas si on commence avec eux, on commence avec quoi. Non, là, je vous propose Jean-François et Jean-Michel. Jean-François et Jean-Michel. Ouais, c'est Jean-François et Jean-Mich. Allez, on les met en contact. Jean-François, Jean-Mich pour le double appel de ce soir. Le premier de la semaine. Ouais, premier de la semaine, en direct sur Skyrock. Merci à Claudia qui nous envoie le numéro. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui, comment vas-tu? Mais qui êtes-vous là? Moi je suis Patrick. Hein. Oui, écoutez, vous faites erreur, excusez-moi, bonsoir. Ne raccrochez pas, madame. Salut les filles. Oui, c'est non, Cédric, laisse tomber. Allô, allô, allô. Oui. Salut les filles. Comment vas-tu? Ça va? Moi je suis Patrick. Hein. Patrick qui? Devine. Patrick. Ok. Allô? Allô? Oui, bon. Devine. Vous avez pas fini d'embêter les gens de ça ce temps-là? J'ai des godes. Ah, elle est partie. Ouais. Ah, ils sont tous partis là. Ouais, ils sont tous partis. Ah, c'est fait le numéro de la rue là. Vas-y, là, on fait plusieurs numéros de gens qui habitent juste à côté en fait. D'accord. Des voisins quoi. Ouais, en gros, ouais. C'est un peu le clash des voisins. Des voisins ou pas, mais c'est la même rue. Ah, d'ailleurs, faut pas que j'oublie le. J'ai promis qu'on parle de. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Allô? Allô? Oui. Allô? Je vous entends, moi. Allô? Oui? Allô? Et ça y est, à lui, là. À quel honneur. Si vous téléphonez, vous savez qui je suis. Ah bah écoutez, je ne téléphone pas, je reçois un appel téléphonique. Je sais pas, on est à 3. J'entends rien. Voilà. Et moi non plus. Allô, connard. Je me suis fracturé la clavicule. C'est toi qui appelles chez moi, pauvre con. C'est pas moi. C'est vous qui m'appelez, alors c'est pourquoi? Il y a un autre derrière vous qui dit je me suis fracturé la clavicule, je vois pas qui c'est. Hein. Et toi, t'es qui, toi? Non, je ne vois pas qui vous êtes. C'est vous qui m'appelez, hein. Moi, je t'emmerde. Moi, je suis Patrick, hein. Le nom de famille. Moi, je t'emmerde, moi, connard. Oui, moi, je connais pas de Patrick, alors... À mon avis, il y a une erreur sur le numéro, hein. Allô? Qu'est-ce qu'il y a pas chez moi, toi, pauvre con? Il y a pas... Moi, je connais pas... Dis-moi où t'habites, j'arrive, moi. Devine. Je sais pas, c'est Denis-là, moi, j'adore ça. Non, mais t'es pas normal, toi. Oui, si vous avez que ça à dire, c'est pas chez moi, vous faites erreur de correspondant. Ça suffit. Mais j'appelle pas chez toi, c'est toi qui appelle chez moi. Tu me feras une pipe au champagne. T'es pas normal, toi. Oh putain. Allô? Oh le bordel. Connard! Ah, ils sont tous partis. Mais la voix qu'il a, oh, le bordel. Elle est énorme. Et là, mais Pielo, elle comprenait rien. C'est clair. Il comprenait rien. Il avait l'impression que Patrick, il était avec sa femme. Complètement largue. Non, mais vous savez qu'à un moment, ils étaient quatre. Il y avait du monde, ouais. Oui. Ils étaient quatre ensemble. Et ça, absolument, c'était ouais. Magnifique. Bravo. Plus Patrick. C'est excellent, là. Et on a trouvé c'est ça. Excellent. Excellent également. On est dans un instant. T'es prêt pour le Karim Comedy Club? Allez, vas-y, man. Ah oui, le retour du Karim Comedy Club. En cette rentrée, ça fait plaisir. Ouais. Parce qu'il est toujours bon de rire parfois. Hein. Il faut rire, man. T'as vu celle de El Porto là? Pourquoi tu parles avec de l'écho, Romano? T'es dans la cave de Skyrock. Non, c'est bon, je suis revenu à l'étage. Ah, alors tu disais quoi? T'as vu, Karim, c'est de El Porto? Ah, attends, je vais la faire. C'est bon. C'est quoi ça? J'ai pas vu. C'est bon, je vais la faire. Mais bon, c'est un truc à la con. Hein. Bon, allez, Karim Comedy Club. Les Américains nous l'envient. Les Chinois l'ont déjà copié. Les Belges passent leur temps à l'imiter. C'est le Karim Comedy Club sur Skyrock. Ah, le Karim Comedy Club pour bien finir la soirée avant la roulette. Allez, on y va avec la blague d'El Porto. Vas-y. Alors, c'est l'histoire de Cédric qui passe devant une maternelle et là, il dit « Voilà, c'est enfin la rentrée. » Bip, bip.
elle est courte mais efficace. Moi j'adore. Elle est pas mal. Moi je la trouve claquée. T'aimes pas? Je vois pas. Oh là là, toujours en train de faire la gueule. Ça va, non, mais vas-y, explique la blague, j'ai pas compris. Ah bah moi j'ai très bien compris. Tout ce qu'on a compris. Allez, une autre. Allez, une blague de Tiffany. Alors, c'est trois potes nains qui décident d'aller aux putes. Donc, ils décident de jouer à un jeu, celui qui reste le plus longtemps. Donc, t'as le premier nain qui rentre avec une pute, il sort au bout de 5 minutes. T'as le deuxième nain, il sort au bout d'un quart d'heure. T'as le troisième nain, au bout d'une heure, il est pas sorti. Deux heures, au bout de 3 heures, il sort. Tu sais, les autres, ils entendaient le bruit du lit, ils entendaient gémir, ils entendaient les trucs grincer. Au bout de 3 heures, il sort. T'as les deux premiers nains qui lui disent: putain, comment t'as fait? Dis-nous, putain, t'es trop fort. Et t'as le nain qui leur dit: putain, tu parles, j'ai même pas réussi à monter sur le lit. Romano est très vexé par cette blague. Va, mais j'arrive à monter sur mon lit. Tu me l'avais je déjà vous rassure. Raconté, oui. Oui. Et j'en ai une dernière, de Samia. Alors, c'est un couple qui décide de ken, tu vois. Et là, t'as le mec qui était à sa meuf. Bon, vas-y, rapproche-toi, on va ken un petit peu. La meuf, elle lui dit: mais je te préviens, j'ai mes règles. Le mec, il lui dit: bah, c'est pas grave, je vais mettre une capote et ça va glisser normal. Donc, il met une capote, il la ken. À la fin, il a fini, il retire la capote, il y a du sang dessus, il la jette par la fenêtre. À ce moment-là, t'as Cédric qui passe par là, voilà. Qui voit la capote par terre, il la ramasse, elle a du sang dessus, il la ramasse, il dit: voilà, trop con les gens dans le chorizo, le meilleur, c'est la peau. Oh. Ah ouais, un régal. Ah. Un régal, et bien on termine en beauté avec voilà, tu m'as ouvert l'appétit. Dans le jingle tout à l'heure, Cédric, tu disais que ta passion c'était la bouffe. Et bien, la peau de chorizo. Karim Comedy Club, vous envoyez vos blagues à Karim, les pires. Ouais, karim@skyrock.com. Et les meilleurs aussi. Karim@skyrock.com. Et puis pendant toute la soirée, quand on est là, vous nous envoyez ça pendant l'émission. Bon, il est l'heure de faire danser un. Et double appel sur Skyrock, on a le temps d'en faire un petit. Allez, double appel, on y va. J'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait. Hein. Ah bah moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, bah moi, non, moi aussi j'ai entendu. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne vie. Merci Patrick. La dame était choquée. Et c'est nous les pirates des ondes, les pirates des téléphones ce soir. C'est parti avec les numéros que vous nous envoyez au 41759 et sur l'appli Skyrock. C'est parti chez Laurent et chez Patrick. Laurent et Patrick, ligne 7 et 8, c'est ça? Ok. Yes. Allez, ok. Et Patrick, le nôtre, est prêt. J'ai Cédric aussi. Allô? 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 Allô, oui? Allô? Oui? Oui, j'écoute. Vous êtes piraté. J'ai fait des essais, hein, techniques. On va dans le 01 dans un même bâtiment. Très bien. C'est Audrey qui nous a donné. Donc, c'est des voisins. On va dans le 01 chez des. Ah bah, chez des voisins, voilà. Allô? Allô? Oui? Oui? Allô? Ah oui, je vous entends mal. Bah, moi aussi. Ok. Mon téléphone marche très mal. Ah bon? Oui. Qui êtes-vous? Allô? Oui. C'est alors, toi. Vous êtes qui? C'est toi, René? Ah non, pas du tout. Ah bah, qui êtes-vous, monsieur? Ben non, mais c'est vous qu'il faut demander. Pourquoi? Ben, je sais pas. Ben, c'est vous qui m'appelez. Mais non, monsieur, c'est vous qui avez sonné. Ah, pas du tout. Ah ben si, monsieur, ça a sonné chez moi. C'est pour ça que j'ai répondu. Ah ben, moi, je viens de répondre à un coup de téléphone qu'on m'a donné. Ah ben, écoutez, monsieur, c'est... Ben, moi, ça a sonné. C'est pour ça que j'ai décroché. Sinon, je décroche pas d'habitude. Eh ben, moi aussi, c'est pareil. Et puis là, j'ai surpris. Ben, moi aussi. Oh là, vous avez des chevaux? Ah, pas du tout, non. Bon, écoutez, les chevaux qui... Non, mais à mon avis, il y a eu une erreur de téléphone. Il y a un autre qui est sur la liste, qui est sur le fil. Ah oui, parce que... Oui, mais c'est pas souvent qui voit la télé. Mais écoutez, monsieur, j'entends les chevaux qui hurlent, alors... Ah oui, oui, mais c'est pas chez moi. Mais écoutez, je ne sais pas, alors oui, je ne sais pas. On a deux autres personnes sur la ligne. Mais écoutez, je ne sais pas, alors on a appelé, j'ai répondu, oui. Que... Allez, au revoir. Allez, au revoir, monsieur, au revoir. Voilà, voilà, madame. C'était mignon. Moi, je les ai trouvés mignons. Allez, les chevaux. Ils étaient mignons tout là. Mais j'adore la phrase, c'est la femme. Ah, j'ai un téléphone, mais d'habitude, je ne décroche pas. Mais ça sert à quoi dans le téléphone? C'est clair. Eh bien, ça ne sert à rien. Et là, heureusement pour nous, elle a décroché. Bah, exceptionnellement, j'ai décroché. Et il y a des chevaux. Ouais, j'entends des chevaux derrière. Moi aussi, j'entends. Tu peux pas les rappeler? Vas-y, on va essayer. Pour une fois, on a un bon contact. Vous avez des chevaux. Ouais, ils étaient sympas tous les deux. Oui, ils étaient sympas. Donc on est dans le 01 là, ouais. Ce soir. C'est toi René? C'est toi René? Les amis sympas la dame. Alors, René, c'est toi? Allô? Allô, oui? Oui? Ah ben, c'est toujours pareil. Mais qu'est-ce qui est au téléphone? Allô? Oui, qui est au téléphone? Ben, c'est le monsieur que vous avez eu tout à l'heure. Mais enfin, ça sonne chez moi, pour quelle raison? Moi aussi, on vient de m'appeler. Mais moi aussi, ça sonne chez moi, voyez? Voyez. Vous êtes où, vous? Dans quelle région? À Villarézon. Dis-moi, je suis à Birieux.
Ah ben c'est un peu fort ça. Eh ben oui, ça sonne chez moi, mais il y a une autre personne qui appelle, hein. Mais et puis, il doit y avoir un problème sur la ligne, on doit être mis en... Oui, moi, mais... je suis M. Villard. Vous entendez les chevaux? Oui, ah ben oui, je les entends, oui. Alors qu'est-ce que c'est, ça? Des chevaux. Mais j'en sais rien. Ben moi non plus, oui. Et vous êtes de Bérieux? Moi, je suis de Bérieux, oui. Mais moi, j'habite juste en face, je suis... comment? Vous êtes bien le parc? Oui. C'est pas vous qui vendez les saucissons? Non, c'est mon oncle. Sur le marché, à Villard. Oui, c'est mon neveu. Oui, c'est votre neveu, oui. Mon cousin Germain. Oula. Salut les filles. Ben oui, mais moi je me sers là-bas, c'est vous ça, monsieur. Mais oui, on entend une personne qui parle en même temps que nous. Ben oui, mais on n'entend rien, on n'entend que les chevaux. Ouais, ben moi j'entends parler quelqu'un. Écoutez, monsieur, bon, mais écoutez, on va raccrocher, puis moi je ne décroche plus, là. On raccroche et puis on va laisser faire. Allez, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Oh, qu'ils étaient mignons, ils vendent du cochon. Ah ouais, ils vendent du cochon. Ouais, ouais, c'est mon cousin. Il vend le saucisson. Allez, vend le saucisson, bah, je me sers là-bas. Bah oui. Eh, vous avez vu le monde des petits. Ah, le monde des petits. Vous allez voir demain quand ils vont se rencontrer au marché. Ah bah, dis donc, vous m'avez appelé hier soir. Hein. On a bien tapé la discute. Bon, ils étaient mignons tous les deux là. On est... Je ne vous appelle pas. Merci, mais ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah, je sais pas, moi ça vient de sonner, je décroche. Ah bah, moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez. Moi j'en ai marre le bol, vous me dérangez pour rien. Le double appel de Default sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ouais, c'est le multi-appel. Ce sera même plus fort qu'un double appel, c'est un multi-appel. Absolument, ouais. En gros, c'est aucun des deux n'a appelé les 10 autres. Hein, c'est ça, ouais. On commence par les deux premiers. C'est qui qu'on appelle? Ah bon, tu nous as dit tout à l'heure, donc il y a des... Vas-y, envoie tout. Là. Des pizzas, il y a tout en fait. Hein. Pizza, épicerie, on a des hôtels. Ouais, enfin, des gens qui bossent la nuit. Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Allô? Allô? Qui demandez-vous, monsieur? Ben, moi, je suis Patrick. Hein. Allô? Là, vous êtes à l'autre. C'est qui vous m'appelez? Allô? Oui? Oui? Bonsoir. Oui, allô? Vous êtes trompé. Vous êtes trompé de numéro, là, je pense, non? Non, c'est vous qui m'appelez. Ah, j'ai pas appelé, alors donc. Allô? 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 C'est Cédric. Okay. C'est Cédric. Allô? Ah ben, c'est Michel au téléphone. Ah ben... Allô? De trois loin dans le cul. Allô? Ah ouais, je suis à poil, là. Allô? Allô? Patrick? Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Allô? Oui, allô? Comment vas-tu? Allô? Ok. Oui, comment vas-tu? Oh putain, ils sont tous partis. Ah, on avait, bah, bien sûr, oui. On avait quatre, trois qui restaient muets, un qui faisait allô, allô, allô. Patrick qui faisait bloqué, allô, ouais. Allô, allô, allô. Patrick qui se demandait, mais. Oui, comment vas-tu? Comment vas-tu? Bah, comment vas-tu? L'autre était incapable de répondre. Si, il répondait. Allô? Allô? Merci, Patrick. Bah, de rien, Patrick. Allez, dans un instant. Numéro de téléphone à appeler, c'est l'heure du double appel. Ah ben là, je viens de répondre sur un numéro secret, un marqué privé. Oh, c'est des conneries sans cours. Il y a des mamas, il y a un téléphone. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Et tu peux me passer ta femme sinon? Laquelle que tu veux, de femme. Le double appel de Default sur Skyrock. Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Avec lubrifiant, espèce de connard. Voilà. Très bien, Cédric, il s'était fait mettre à l'amende, le pauvre. Voilà, parle pas mal. Exactement. Cédric, on peut retrouver dans le double appel puisqu'il peut intervenir. Écoutez, il a quelque chose à nous dire. Salut les filles. Salut Cédric. Salut. Ouh, Cédric. Donc Cédric peut intervenir, Patrick aussi. Hein. Oui, comment vas-tu? Ça va, Patrick. Tranquille, tranquille. On est content, on est en pleine forme et on va y aller là pour le double appel de ce soir. C'est excellent, là. On est dans le 54. Allô? Oui. Ben, ça fait 20 fois que vous m'appelez, monsieur. Allô? Qu'est-ce moi, je vous appelle. C'est moi qui vous appelle. Oui. Ben, je vous appelle. Je sais même pas c'est qui. Vous êtes qui? C'est vous qui m'appelez. Là. C'est pas moi qui vous appelle. Là. Écoutez-moi, ça fait 20 fois que vous téléphone. Ben, il parle à nous, le mec. 20 fois. Pardon? Allô? Oui, je vous appelle pas, moi, c'est vous qui m'avez appelé là tout de suite. Ah oh, bah écoutez, moi je suis désolée, mais c'est un problème de téléphone, hein. Bah, oui, bah moi je suis pas dans le téléphone, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ben, c'est un problème, il faut que je téléphone au PTT. Bah téléphone au PTT, mais me téléphonez pas à moi.
téléphone pas à vous parce que vous ne comprenez pas que le téléphone. Passez une bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il n'est pas net, celui-là. L'intelligence, bon, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Punchline, a dit ça. Allô ? Faire le bon numéro. Qui est-ce au téléphone ? Qui est-ce ? Tu veux te faire ce demi-dit, là ? Ah. Espèce de connard, ben, ça le prive. Hein. Bon, ben, c'est enculé. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ben oui, c'est Patrick. Ah ouais, ça pas comme tout. Eh ben, voilà. Ben, voilà. Eh ben, là, ça a marché. Ben, écoutez, ça a marché. L'autre, il était saoulé, l'autre. Ah, non, mais plus pas, je suis pas dans le téléphone. Allez, PTT. Et l'autre, elle exagère pas du tout, on l'a appelé 20 fois. Ben, 20 fois, et puis elle va appeler les PTT, elle va galérer pour trouver le numéro, ça n'existe plus depuis 20, 30 ans. Oui, alors je cherche le numéro des PTT. Putain, c'est le retour des PTT. Ah ouais, c'est dingue. C'est quand même un truc de ouf. Ah, les PTT. Les PTT chez les familles de France. Ah ouais, ça. Oui, bah c'est qui là? C'est quoi? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bah moi, c'est moi, je veux savoir qui vous êtes d'abord. Le double appel de Default sur Skyrock. Je te dis au revoir et je t'emmerde, et puis de toute manière, tu viens plus me rappeler. Et de toute manière, tu viens plus me rappeler. Bah très bien là. Bon. Très bien, merci pour cette belle déclaration. Bon, on est prêt pour le double appel, c'est comment ça c'est marche. Parti. Bon, alors on va dans le 54. C'est ça. Le 54, c'est la Meurthe et Moselle. Allô? Oui. Allô? Ah. Oui? Oui? Allô? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? Sonore. Il y a deux personnes qui parlent. Ah oui, oui, alors là, vous voulez qui, madame? Allô? Bah, je sais pas, c'est vous qui avez appelé, c'est mon téléphone qui a sonné. Ah non, pas du tout, j'ai pas appelé, ça fait deux fois qu'on me téléphone. Mais on me dit toujours allô, allô, alors je sais pas qui c'est, j'en sais rien. C'est téléphone. Hein? Ben non, mon téléphone, il... Oh, c'est quoi ce... Ouais, ben, je crois qu'il y a un problème, parce que moi, mon téléphone, il sonne, et en fait, je réponds, c'est pour ça que je dis allô. Ah, ben oui, alors moi, je disais allô aussi, parce qu'on me téléphonait. Oh, mais c'est quoi ce cinéma, là? Ah, ben, ça, j'en sais rien. Écoutez... Ben, j'en sais rien non plus, moi, mon téléphone, il sonne, donc moi, je réponds, donc je dis allô. Eh ben, moi aussi, alors je disais allô, et j'attendais allô, alors je dis là, je sais pas du tout ce qu'il y a. Ah, ben, moi non plus, alors je peux pas vous dire... Ben moi non plus. Ben écoutez, il y a quelque chose sur le réseau, je sais pas. Apparemment oui. Bon ben c'est tout, hein. Allô, donc ça va par... Qui c'est qui dit allô? Mais qui c'est qui dit allô alors? Bon, on est trois sur allô le téléphone. On est à trois sur la ligne. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est qui se passe dans le téléphone? Allô. Vous êtes de où? De Longuillon? Moi, je suis d'Anguillon, mais écoutez, essayez de... Eh ben, moi, j'ai parlé. Il y a une dame qui m'a appelé, elle dit allô. Alors, moi, je lui dis allô, puisqu'on m'appelle. Et elle dit, on m'appelle aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a, hein, sur le... Je ne peux pas vous dire, mais sur le réseau, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, ça, je pense bien. Oui, parce que moi, on m'appelle, mais bon, c'est marqué privé, alors je ne sais pas qui c'est. Oui, ben, moi aussi, hein. Donc... Ben, privé, voilà. Je crois que c'était mon neveu qui m'appelait de Belgique. C'est souvent privé. Alors, c'est pour ça que je réponds. Parce que non, je connais pas, je réponds pas. Alors, je ne peux pas vous dire, monsieur. Je suis pas votre neveu, mais j'habite aussi Longuyon, mais je suis pas votre neveu. Non, non, mais moi, je pense que c'était lui, voilà. Comme si c'est privé, mais autrement, moi, mes numéros s'affichent et je prends que les numéros qui s'affichent. Alors, moi aussi. Ça. Ben oui, ben voilà. Ben, ça fait deux fois, hein. Là, j'ai une dame, déjà, hein. Oui. Donc, il y a quelque chose sur le réseau, hein. Ah, je pense bien, oui. Voilà, bah écoutez, tant pis, voilà. Allô? Allez, oui, au revoir. Bah. Ah, encore un autre. Allô? On va être à 150... Allô? Allô? On va être à 150 sur la ligne. On va jouer à Scrabble, là. Oh, en ligne. Franchement, je sais. Écoute, tu le suces bien. Voilà. Vous voulez me sucer? Mais oui. Ouais. Avec un gros gosse dans le cul, c'est ça? Voilà. Ouais, absolument, oui. Ah putain, cool. Ah ben, attends. Eh oh! Ah ben ils sont tous partis. Ouais, un beau final de Patrick. Ah ben Patrick intervient et là t'as toutes les familles qui partent. Elles étaient trois, c'était un triple appel. Waouh! Pas un double appel, toujours plus fort Skyrock, de la nouveauté tout le temps. Bah ils sont marrés. Non mais un, deux, trois. On m'appelle, je dis allô. Hein. Ah bah allô, mais y a allô. Ils ont bloqué là-dessus. Ah, là, ça s'est rendu. Elle nous a fait une mode d'emploi de comment répondre au téléphone. C'est moi, elle m'a fait penser, tu sais, les deux meufs sur Canal Plus qui font Catherine et Liliane. Ouais, on aurait dit elle qui parlait. Ah bah comment on dit allô? Moi je dis allô. Mon téléphone il sonne. Je décroche et à ce moment-là, je dis allô. Et ils disent tous les deux qu'ils répondent pas au numéro inconnu, mais ils ont tous les deux répondu. Ouais, c'est... ouais, parce que nous, on appelle au numéro inconnu. Hein, ouais, ouais. Eh ben écoutez, ils étaient sympas, dis donc, c'est Laura. Ouais, on était en Lorraine, on peut aller partout en France hein, pour le double appel.
Vous êtes dans un hôtel, monsieur. Alors, pourquoi vous m'appelez ? Je ne vous appelle pas. Mais si, ça fait déjà deux fois que vous m'appelez. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah ben, je sais pas, moi, ça vient de sonner, je décroche. Ah ben, moi aussi, ça fait trois fois que vous m'appelez. Moi, j'en ai marre le bol, vous me dérangez pour rien. Le double appel de Default sur Skyrock. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Voilà, lui, c'est double appel. Lui, il est à bout de nerfs. Déjà, la dame était toute gentille, elle s'est fait Oui, c'est dans un hôtel, monsieur. Bah oui, dans un hôtel, elle comprenait pas. Il y a rien à foutre. Oui, parce qu'on peut appeler partout le soir. Hein. Si vous avez des gens qui bossent, vous nous laissez leur numéro. Si vous avez des gens que vous connaissez, vous n'hésitez pas à nous laisser leur numéro, évidemment. Et nous, on les appelle en direct dans la radio libre tous les soirs entre 21h et minuit. Ça nous prend à n'importe quel moment de l'émission. Alors là, ça m'a pris maintenant. Là. Allez hop, ça t'a pris comme une envie de chier. C'est ce qu'on dit. C'est d'ailleurs, c'est assez mignon comme expression, je trouve. Classe. C'est classe, mais c'est bien imagé, on comprend bien. Et on va donc passer un petit coup de fil aux deux premières familles qu'on a sélectionnées parmi les numéros que vous nous avez laissés, on les a testés. Il y en a un qui s'appelle Patrick. Et juste, bah c'est peut-être lui. Et un autre Gérard. Il y en a un qui s'appelle Patrick, l'autre qui s'appelle Gérard. C'est excellent là. Excellent, on va voir ça tout de suite, Patrick. En tout cas, ça sonne, et quand ça sonne, c'est bon signe. Ah, c'est bon là. Ah ouais, c'est bon signe. Alors. C'est bon là. C'est bon, oui. Ok. Allô ? Allô, oui. Allô. Allô. C'est bon. Allô. 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 Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Qui vous cherche à joindre, monsieur ? Pardon ? Qui vous cherchez à joindre ? Je cherche à joindre personne. C'est pas moi qui ai appelé, j'ai simplement décroché. Moi, pareil. Bon, ben voilà. Oui, bon, comment vas-tu ? Oui, comment vas-tu ? Voilà, bon écoutez, je crois qu'on va se quitter. Là. J'ai une bonne bite. Oui. Bah, je crois que tu viens de me masser, mais pas simplement ça. Hein. Ouais, j'imagine, j'imagine, parce qu'ils sont partis tous les deux. Un petit peu mou, ils sont partis tous les deux. Mise en contact réussie, par contre, échec de Patrick. Bah, trop correct. Bah, c'est Patrick. Moi, je suis Patrick. Hein. Bah, on t'a reconnu, espèce de gros dégueulasse. C'est un qu'on a découvert sur les réseaux. Il cherchait des meufs. Il a c'est un des premiers pervers de Pamela. Ouais, un des premiers. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, comment vas-tu ? Allô ? Qui est-ce ? Allô ? Qui est-ce ? Bah, très bien, là, bon. Allô ? On la devine. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, comment vas-tu ? Qui c'est ça ? Bah, devine. Hein ? Bah, devine. Moi, je suis Patrick, hein. Patrick quoi ? Voilà. D'où ? Ok. Vous vous êtes trompé de numéro, là ? Ah, c'est bon, là. Comment ? J'ai une bonne bite, là. Comment ? J'ai pris ma belle boîte, j'ai une bonne bite, là, bien. Vous êtes qui ? Moi, je suis Patrick, hein. Comment ? Bah, devine. J'en sais rien. Et je peux dire que je vais te baiser, Allô ? Oui. Moi, je suis décaloté complètement. Oh, tu déconnes, là, vieux. Écoute, tu le suces bien. T'as mis un petit peu de doigt dans la chatte, là ? Allô ? Je crois que le doigt dans la chatte. Ouais, je crois que ça l'a achevé. C'était trop, ouais. Le doigt dans la chatte. C'est mieux, Patrick, tu vois. Ouais, c'est mieux, là. Quand t'es plus direct, tu vois. Meilleur contact. Voilà, la classe de Patrick, c'est qu'il est charmant. C'est une très, très, très beau message qui c'est reparti. Allez, nouvelle famille. Ouais, on appelle des voisins dans le 37. Ah, très bien. Des voisins. Ça, c'est bien, là, les voisins. Parce que parfois, ils se reconnaissent. Allô. Ah. Allô. Oui. Allô. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes qui ? Allô ? Oui, je voudrais bien savoir qui vous êtes, vous, c'est vous qui m'appelez. Non. Je crois qu'on est en train de nous appeler, on est en train de se faire pourrir par la pub, voilà, et on est trois sur la ligne. Ah, voilà. Voilà. Écoute, tu le suis bien. Oui, là, il y a un problème. Bon, écoutez, oui, je raccroche. Là, il y a un problème, hein. Je crois qu'on... Allô ? Allô ? Je vous laisse, hein, parce qu'il y a la pub qui nous pourrit, je suis désolée, mais je suis comme vous. Ah, c'est bon, là. Eh bien, je sais pas, il y a des pubs. Moi, sur mon téléphone, c'est des points d'interrogation. Oh. Mon téléphone vient de sonner. Oh, j'y décroche. Absolument. Hein ? Devine. Oui, c'est un appel masqué, oui. Allô ? Voilà. Et il y a encore d'autres personnes sur la ligne. Bon, moi, je raccroche, parce que... Allô ? Merde ! Oula. Mais ça va durer longtemps, espèce de tocard ! Allô ? Mais allô ?
Ça va durer longtemps, votre comédie, là? C'est Janine. Janine. Oui, mais moi, je vous ai pas appelé, alors vous me foutez la paix, s'il vous plaît. C'est Janine. Hein. Ça fait une heure que ça dure, le cirque. Décalote complètement. Voilà. Et ta gueule, connard. Ça va bien? Qui c'est qui fait le con? C'est pas moi, non? Oui, absolument, oui. Ça sonne chez moi. C'est pas moi. J'ai pas de numéro masqué, moi. Je peux te le donner, mon numéro, j'ai pas peur. Je vais te donner une petite combine, là. Tu veux mon numéro? Écoute, tu le suces bien. Ouais, espèce de tocard, moi. Je vais te faire voir, moi, abruti. Eh ben, ils sont super dans le 37. À un moment, ils étaient 4. Ah ouais, 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 quatre, bordel. 4 à la fois. Ah, l'autre, elle comprenait rien. Janine, c'est Janine. Bah, c'est quoi ces pubs? On est pourris par la pub. Ah ouais, c'est quoi ce truc? Ben non, mais elle reçoit des coups de fil, elle croit que c'est ouais, de la pub. Elle comprend rien. 4 voisins en même temps. Alors, hey, on va te remercier, Erwan, parce qu'en toi, t'as tout déchiré. J'ai les points d'interrogation. C'est le double appel. Oui, on y va, allez. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Default sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Oh bah tu vas reculer, connasse. Oh, Marie. Un petit connasse en passant. Marie, t'as été bien reçue. C'est sympa, ouais, tu m'étonnes. Bien reçu par la famille. Alors attention, il est où, Patrick? Il est en érection ou pas? Ah, il est en érection ou pas, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, il est là, il peut intervenir dans le double appel, bien sûr. Alors là, on va aller. Tu vas chez les Bretons, Cédric? Ouais, du côté de la Bretagne, on va voir. Du côté de la Bretagne, parce que t'as plein de voisins en Bretagne. J'ai plein de numéros en Bretagne. Il y a un truc qui est bien, c'est quand vous nous envoyez un numéro à appeler pour le double appel, vous voulez qu'on appelle quelqu'un que vous connaissez, des potes, des profs, famille. J'en sais rien, de la famille. Vous nous laissez un numéro, mais quand vous en laissez plusieurs, c'est encore mieux, parce qu'on peut... On peut les rendre fous. Voilà, on peut les rendre fous. Ouais. On va essayer, on va faire un petit tour, donc, chez nos amis les Bretons, t'as préparé tous les numéros, mais il y en a combien? 2, 3, 4, 5, oula. Bah, s'il y en a pas un qui répond, je le balance, même si ça... Ouais, on va. Pas con. Allez, on voit ça. Sauce, c'est parti pour le double appel, vous connaissez le principe, nous on dit rien. Ah, putain, un fax. Ah bah, il marche bien le fax, dis donc. Ouais, vas-y, rappelle-en peut-être un autre en plus. Comment que c'est? Ah. C'est qui? Qui c'est qui a l'appareil là? Bah, c'est monsieur. Ah, vous vous trompez là, monsieur? Ah non, c'est vous qui venez de m'appeler. Bah non. Bah si. Ah non. J'ai pas téléphoné. Ah bah moi non plus, c'est mon téléphone qui téléphone et je vous ai eu au téléphone. C'est qui téléphone. Bah vous, à l'instant. Qui moi? Comment je m'appelle? Bah je sais pas justement. Ah bah alors? Vous êtes trompé de numéro, puis c'est tout. Vous êtes bien chez moi, donc moi je réponds. Au revoir. J'ai pas de communication avec vous, monsieur. Je vous connais pas, moi. Allô? Allô, oui. Oui, allô? Bah, je vous appelle pas, moi. Allô? Bah, moi j'ai pas téléphoné. Le téléphone a sonné, j'ai répondu, c'est vous qui me rappelez. Ouais, autrement, j'ai pas fait de communication téléphonique, vous vous trompez. Hein. Ah, bah oui. Hein. Regardez le numéro que vous avez vu, puis vous verrez que ça correspond pas à ce que vous voulez. Hein. Ah non, c'est vous qui m'appelez. Ah bah, moi je suis pas masqué de toute façon, hein. Pardon, vous êtes qui aussi déjà au téléphone? Non. Patrick. Patrick. Vous pouvez répéter? Ben, moi je suis Patrick, hein. Eh, je pourrais savoir qui vous êtes? C'est qui Patrick? Patrick Pauvre d'Arvor? Ouais, absolument, oui. Ah bah, y a pas de problème! Vous pouvez venir! Tu me feras une pipe au champagne? Bah écoutez, vous savez quoi, le mieux, ça, la meilleure solution, je vous ferai une pipe au chocolat, si vous voulez, même. Comme ça, moi, j'aurai les boules gratuitement. Si vous voulez, même, je vous ferai une pipe au chocolat, même, et vous aurez les boules gratuitement. Voilà. Et sur ce, je vous mets un doigt. Doigt dans la chatte, là. Hein? C'est quoi? Je vous passe mon oncle à l'appareil. Je vous passe mon oncle, vous aurez plus facile. Il adore ça, lui. Ah. Et plus de reine. Bon. Non, je connais pas, c'est en privé. Ah oui, oui, allô? Ah. Je vais te donner une petite combine, là. Oui, donnez-moi une combine, parce que là, je vois pas. Parce que moi, vous m'appelez, c'est en privé. Donc, tu l'éponges bien. Il veut une éponge, Patrick, pas de bravo. Oh. Allô? Allô? Vous êtes qui à l'appareil? Mais qui c'est qui est au bout du fil? Oui, mais ça me dit pas qui c'est. C'est une erreur. Hein. Oui, bah, écoutez, c'est une erreur, au revoir. Et Boris? Boris? Allô? T'as reconnu? Ah ben. T'as une grosse bite, hein? Ah, mais c'est toi. Bon, vous êtes qui à l'appareil? Patrick. Bah, Patrick, qui? Eh, vous avez fini de me faire chier, là? Moi, je vais faire une bonne plainte aux flics, vous allez voir un peu, hein? Faire le con. Moi, je vais voir un peu comment ça va aller, hein? Y'a du bras dans le tuyau. Ouais? Ben, je sais pas, mais bon, c'est ça, les amuse. Moi, ça me dérange pas, hein. Je paye pas le téléphone, je suis en limisier. Maintenant, on m'appelle en privé, ben, on m'appelle en privé, ben, en plus, c'est tout.
Voilà. Google. Soit c'est un ordinateur, soit qui passe par une machine, une centrale vocale sonore par les ondes. par le biais de boîtes. Il passe en présent, parce que. J'écoute. Comment ? Alors, c'est bon ou pas ? Il va pas éjaculer tout de suite. Je m'as demandé si j'avais pas éjaculé, alors donc voilà quoi. Écoutez, c'est ça, il peut pas éjaculer, il s'est fait opérer des testicules. Il y a un mot. Non, mais c'est bon ou pas? Comment voulez-vous qu'il passe quelque chose? Ouais, absolument. Ouais. Obligé d'appeler son copain Mohamed pour venir l'aider. Oh putain, oh, j'aurais tout entendu. Écoutez, en plus, il faut que je l'amène chez le médecin pour qu'il passe recoul de trou du cul parce qu'il a tellement sodomisé à sec. Hein, il l'a défoncé. Le Mohamed, il en a tellement une grosse qu'il en a perdu ses boules. On vous dit bonne nuit. Parce que là maintenant, on doit se faire une pipe à 3. On sait pas comment on va faire à 69. Parce que là, c'est un peu dur. Hein, j'ai appelé 15 jours pour lui demander comment on faisait à 102. Il m'a dit ça n'existe pas. Il m'a dit par contre, un double 69, c'est très bien. Pourquoi tu l'as appelé de l'au-delà? Merci parce que on s'ennuyait. Alors il fallait un con qui nous parle au téléphone. Alors merci. Et au fait, je vais faire la vache. Allez. Merci. Au moins on rigole. Et là-dessus, on te fait un gros bisou. Allez, on vous fait tous des gros bisous à la radio. C'est quoi comme radio? Allez, je te laisse, ciao. Tu nous laisses. Je suis pas défoncé, non? Moi non plus, allez, ciao. Non. Ouais, je suis à poil, là. Eh ben, c'est bien. Salut. Allez, bonne continuation. Eh ben, salut. Salut, ouais. La même. C'est un autre qui nous a fait un spectacle. Le mec qui nous a fait son one man show. Je voudrais remercier Mourad qui nous a laissé le numéro de téléphone. Mourad, merci, ouais. Tu sais que hier j'avais promis un truc, j'avais dit que si on a un bon double appel avec des numéros que vous nous laissez, on vous offre votre jeu FIFA 17. Oui. Eh bien, on va t'offrir toi. Et j'avais dit si on a vraiment un truc génial. Ah ben on te file FIFA 18. Voilà. Déjà. Et FIFA 19. Ouais, aussi, ouais. Non, on va voir Mourad et. Non mais ça mérite un beau cadeau. Ça mérite la console, ça. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'il était lourd, le mec. Il était super. C'était Mohamed ou Rachid, je sais plus. Mohamed. Bon, merci à Mourad donc qui nous a laissé les numéros. C'est ça vraiment, c'est une bonne famille. À un moment, ils étaient quatre en direct. Ouais. C'est ça qu'on disait rien parce que t'en avais un qui parlait, qui faisait le spectacle. Les autres qui intervenaient de temps à autre, qui étaient pas mal non plus. Les vannes pour. Et je vous le rappelle, si vous recevez des coups de fil comme ça, c'est une machine. Qui passe par les ondes. Ouais, il y a quoi d'autre? Et je sais plus, mais. Il y a un truc sonore dedans. Ouais, il y a un truc sonore. Les ondes sonores, la fréquence sonore. Les ondes sonores de la fréquence sonore. Le mec est parti loin, quoi. C'est une machine. Non, mais il a étudié, Marie. Le mec, il va loin. Il va loin dans sa tête. Hein. Il a étudié le machin, là. Bon, le double appel tous les soirs sur Skyrock. Et on attend vos numéros. Belle qualité. Ah oui, on peut le dire. Vous pouvez nous laisser vos numéros sur le 41-75. Ce matin, si vous n'étiez pas réveillé ce matin, on a eu Jean-Marie. Jean-Marie. Non, pas Yavol. Un autre Jean-Marie qu'on a appelé ce matin pour le réveiller avec Christina Cordula. Eh bien, Jean-Marie, il est un peu spécial. Écoutez bien, c'était ce matin dans le réveil de Star. C'est Laurie, ça a dû te titiller un peu, ça, ce matin, en pensant à ta mère. Oui. Bonjour, messieurs. Oui. Ça va, chérie? Bien. Attends, mais t'es un boudin, hein. Veux-tu que je me foute, connasse? Si tu commences déjà avec ta grosse tête, ça va mal se passer entre toi et moi, hein. Attention. Ouais, bah peut-être, t'as la bouche qui sort la merde, qui sort le cul. Ça a mal commencé ma journée, hein. Ouais, bon, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à te faire reculer, connasse. Je suis énervée. Oh oui, bah oui, peut-être t'as pas fait reculer, donc t'es en colère. Mais quand même, attends, oh. Oui. Jean-Marie. Oui, mon cœur. Ces pantalons, ça ne te va pas du tout. Là, connasse, tu vas à poil. Oh, chérie! Explique-moi, comment est-ce que tu choisis tes vêtements? Tu t'en fous? J'en mets pas, généralement. En gros, que c'est pour ça, pour le peu que je mets, je veux dire, j'en ai rien à foutre. Et à poil. Aïe. Je me promène généralement à poil, ouais. C'est la classe. Ah, ça. Que tu que ça me foutre? Quand tu baisses, soit tu baisses avec un appair ou quoi? Ou tu. Tu sais la différence entre une femme et un avocat? Non? Bah, l'avocat, pour plaider sa femme, pour plaider sa cause, met sa robe. Mmh. Bah, la femme, elle l'enlève, hein. J'adore! Oui, voilà. Déodorant aussi, c'est important, hein.
J'en mets pas. Pourquoi? Bon, parce que j'aime l'odeur charnelle, tu veux. Ah. Ça, c'est un sexy. Non, mais ça, c'est... Non, mais il faut pas, ça. Oh, on s'en fout, on s'en fout. Magnifique. Et tu veux que je te passe mon épouse? Allez. Oh, ma chérie. Allô? Ma chérie, ma chérie, ma chérie, bonjour. Je comprends rien. Oh. Bon, bah, c'est pas la peine, allez. Hop. Bye bye. 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 Ça se passe bien plutôt avec les hommes et un peu moins bien avec les femmes. Ah, avec Christina Cordula toujours. Et juste après, il y a plein de réactions que vous nous laissez là. Juste après, on en reparle pour Laurie. On va t'aider, ma petite Laurie, là, t'inquiète. Oui, allô? Ah. Bonjour, messieurs, ça va? Ça va. C'est qui, Joe? Je suis sexy. C'est pas Skyrock ou quoi? C'est pas Skyrock, non. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qui c'est qui, ça? Faut que tu sois sexy. Va te faire enculer, l'autre de pute. Ah. Vous arrêtez pas vos conneries, non? Ah! Je suis sexy. Eh ben sexy, bah sexy man. Eh ben fous-toi toi dans le cul, connasse. Connasse. Bon, tu m'en veux pas. Bah tu te fous ton doigt dans le cul, connasse. Voilà. Si tu commences déjà avec ta grosse tête, ça va mal se passer entre toi et moi. Hein. Quoi? Arrête, s'il te plaît, tu commences à me fatiguer. Ah oui, et comme d'habitude. Non mais t'es un boudin. Hein. C'est un gros cul, ouais, d'accord. Comment ça se fait que tu mets pas de soutien-gorge? Ta gueule, saloperie. Pourquoi? Parce que t'es une salope. Ah, je sais que c'est pas classe. Bon, non, mais oh, arrêtez, hein. Ouais, j'appelle la police. Ça a mal commencé ma journée, hein. Connasse. Je suis énervée. Je t'emmerde. Dégage! Ça y est, l'hôtel est à bout de nerf. Voilà, ça y est. Bye bye! Voilà. Bye bye bye. Là, c'est bon, je crois que tu l'as bien chauffé. Et ouais. Ben voilà, pour te préparer, Laurie, ta maman sera peut-être bientôt en contact direct avec Christina Cordula. J'espère que ça se passera aussi bien qu'avec les femmes de Jean-Marie. Bye, collasse! Direction les familles de France. Et on n'oublie pas la gothique. Oui, vous êtes qui, madame? Ah bah, personne, moi, j'appelle personne, c'est mon téléphone qui sonne. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Je te prends ce saucisson de cheval et je te l'enfile. Le double appel de Default sur Skyrock. Je t'appelle pas, non, espèce de con, on va te faire foutre, enculé de ta race, connard. Voilà. Ok, absolument. Oh, bonne ambiance. Ouais, ouais, sympa comme tout. Ouais. Patrick a été bien reçu. C'est bien, ça fait plaisir. Enculé Taras, connard. 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 Bon, c'est l'heure d'en trouver le double appel. Alors, qu'est-ce que tu nous as réservé, Samy, ce soir? Qui c'est que t'as? Moi, je vous propose d'appeler Alain dans le 80. Alain dans le 80, on va donc. Et Guillaume qui habite pas très loin dans le 80 aussi. Bon, bah, on est en Picardie alors. Hein. Voilà. C'est parti, on est dans la Somme. En Picardie. C'est parti. En Picardie. Allez, les Picards. Et on les met en contact. Envoyez-nous des messages d'ailleurs, hein, si vous voulez qu'on appelle quelqu'un de votre famille. N'hésitez pas. Hein. On est prêt à tout. On prend. À tout. Ah, merde. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. Vous êtes sur la messagerie du 03. Ah, les deux. Ah, les deux messageries. Chez qui tu vas? Donc là, on bascule chez Jean et chez Henri. Jean et Henri. Et on est dans quelle région, tu sais? On est dans le 80 et dans le 60. Dans le 80 et le 60. T'as préparé Patrick, Romano? Ouais, c'est bon. Très bien. Allô? Bonjour Patrick, bienvenue dans le double appel sur Skyrock. Oui, comment vas-tu? Ça va bien. Content d'être là. J'attends juste que les familles décrochent pour qu'on puisse les mettre en contact. Ah bah vas-y. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, allô? Il y a un problème dans le tuyau, là, dites donc, monsieur. Hein. Oui, pardon, comment vas-tu? Pardon? Il y a un problème dans le tuyau. C'est qui, là? Ben, moi, je suis Patrick. Hein. Patrick qui? Ben, devine. Je sais pas. Ah. Absolument. Et moi, je suis qui, alors? Moi, je suis décaloté complètement. T'as rien que je fais des conneries, hein? Tu la branles bien comme il faut, là. J'en sais rien, c'est un abruti. Doigt dans la chatte, là. Branle-toi un peu. Mais rien que t'es. Branle-toi un peu, là. Mais t'es abruti, toi, comme mec. Là, je suis pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
en leur programmant tout de suite ou plus tard, hein, un canular téléphonique. Surprise et fou rire assuré. C'est ça. Vous ce machin. Pour continuer, tape sur la... Allez. Et ben voilà, voilà. Ah ben c'était voilà, quoi ça, c'était une pub. C'est... Non, c'est le répondeur du mec, genre c'est un répondeur. Ah ouais, genre c'est délire quoi, ouais, je fais les canulars. Le mec il est perçu quoi. Un canular téléphonique, un comique sans doute. Ouais, voilà. Oui, sans doute. C'est très, très drôle, drôle d'ailleurs. Dans la vie. Non, là c'était un super répondeur, moi j'ai trouvé. Ah, génial. Bon, on va dans. 73. Allez, il doit avoir gardé des appels. T'as l'impression que c'est une pub, les gens ils doivent raccrocher à chaque fois. Il avait une bonne voix là. Ah, dommage. C'est vrai, il avait. Allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui. Allô. Allô. Oui. Oui, qui est à l'appareil? Gérard. Chut. Pourquoi? C'est monsieur Nicolas. Allô. Allô. Ah. Allô. Oui. Qui est à l'appareil? Monsieur Né. Ah, je connais pas. Bah, je sais pas pourquoi vous m'appelez alors. Ah, je vous ai pas appelé. Ah bon, bah écoutez, c'est moi non plus. Moi, je m'excuse. Ah, je vous en prie. Ah là, je sais pas. Ça déconne à des fois. Hein. Ouais, ah, ouais, ouais, rien de mal. Hein. Ça, Internet, alors là. Hein. Voilà. Ah, je me ma bite, là. Comment? Absolument, oui. Allô? Absolument, oui. Vous autres? Je vous entends plus. Allez. Absolument. Bonne soirée, oui. Hein. Ouais, je suis à poil, là. Ah bon, bah, t'es à poil, bah, c'est bien. Eh ben oui, bah, il y a comme un défaut, hein. Ah bah, y a, oui, moi, j'attends un coup de téléphone. Oui. Allô. Ah, allô. Ouais, allô. 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 Oui. Allô. Allô, oui. On est combien sur la ligne, hein? Un bon paquet. À quel numéro vous êtes? Ça commence par bien faire, hein, vos coups de téléphone, là, sans arrêt. Ah, oh, non, alors là, c'est une erreur, là, madame. Ah, oh, moi, je comprends rien à vos conneries, hein. Ah, oh, moi non plus, je comprends rien à vos conneries. Soyez poli, déjà, quand vous appelez les gens. Mais je vous emmerdez toute la journée. Je vous appelle pas du tout, madame. Hein? Ah, moi, je vous dis quelque chose, hein. Si vous me rappelez encore une fois, ah, une fois... Ouais. Ouais. Espèce de fils de pute de tes morts, je vais t'éclater les dents. Oh là là. Absolument, oui. Ouais, ouais, absolument, quoi? Quoi? Tu vas faire quoi? Et qui êtes-vous? Ouais, ouais, c'est quoi le bordel, là? Tu me feras une pipe au champagne. Allez. Une pipe au champagne? Mais ta mère, c'est la reine des putes, fils de pute. Absolument, oui. Ouais, bah nique bien ta grand-mère, va enculer de tes morts. Ramasse tes dents, va ramasse tes dents, va sale enculé de tes morts. Salut les filles. Mais toi, mon gars... Ça, c'est bien vrai. Ferme ta gueule, petit fils de pute de tes morts. Ouais, 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 grand. Ouais, ouais, ouais. T'es qui, toi? T'es qui pour m'appeler, toi? T'es qui? Patrick. Patrick, comment? Avec un lubrifiant ou sans lubrifiant? Mais toi, gros, appelle encore une fois sous le numéro-là. La vie de ma mère. La vie de ma mère, je te démonte. Je te démonte, je t'encule. Enculé. Quoi? Tu vas faire quoi? Quoi? Il m'encule, je le suce. Eh, bah, je t'enculé, gros. Ouais, 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 gros. Mais héros, viens. Mais t'habites où, grande gueule? T'habites où? C'est quoi ton bordel, enculé? Oh, Cédric, magnifique. C'est maltraité, en vrai. C'est marrant, hein, ça raccroche sur Cédric, hein, vous avez vu. Hein. Étonnant. Hein. Un peu comme au Clash. Bon, là, c'est drague. À un moment, ils étaient trois, après, ils ont été quatre. Après, il y en a un qui est parti, un deuxième qui est parti, et l'autre s'est retrouvé tout seul avec ouais, Patrick. Ouais, c'est ça, ouais. Il s'est fait un petit tête-à-tête avec Patrick, magnifique. C'était mignon, hein. Ouais, ouais, c'est bon contact. J'ai même trouvé ça romantique, personnellement. Romantique, encule-le, tout ça. Ah bah oui, au moins. Cédric, il voulait sucer. C'est dingue, Cédric a changé hein, depuis qu'il a sa clavicule cassée. Hein. Bon, ah, bon, enculé, t'es mort. Ça, ouais, ni ta grand-mère. On est quand même dans la classe. Le festival. Ah, là, on est de ouf, là. Là, on a eu la totale. Ah, c'était mignon. Ah, c'était mignon. Bon, magnifique ce double appel. On y est arrivé quand même, vous avez vu. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, demain soir, on y va pour la gothique. Allez. Bah, ouais, bah oui, Romano. Et t'en as de la chance. Eh ouais, mais ça c'est vraiment super. C'est pour ça que c'est bien la radio libre. C'est parce qu'en fait on fait des cadeaux comme ça quand c'est pas prévu. La gothique qui arrive peut-être là au téléphone. Alors nous appelons. Je vais mettre Walking Dead. C'est bien ça. Ouais ouais, c'est bien Walking Dead.
Voici donc la gothique, l'ex de Romano. Est-ce que vous aussi, vous avez une ex dans votre tête et vous n'arrivez pas à passer au-delà de l'ex? Elle vous manque. Ah, autre chose. Vous l'aimez très fort. Ah, tant mieux, elle décroche pas. Attends. Une pensée qu'à elle. Tu ne penses qu'à elle. Bah, c'est sûr. Tu en rêves la nuit. Bah, il nous en parle bien soir. Ah, soir. Allô. 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 Oui. Oui, monsieur Gothique. Je suis son fils. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vous passe quelqu'un qui voudrait parler à une femme de votre. Bah, je vous le passe tout de suite. Ne quittez pas. Allô. Allô. Oui, bonjour. Excuse-moi de te déranger. Est-ce que je pourrais parler à ta maman, s'il te plaît? Oui. Merci. Ah, les mamans. C'est peut-être ton fils. Je suis ton père. Ah putain, c'est ton gamin. Oui, allô. Ah. Ouais, la gothique. Oui. Ouais, comment tu vas? C'est elle. Et bonsoir, monsieur. Alors, ça va, la gothique? Tu m'as reconnu? Oui, oui. Hé, hey, tu m'as reconnu? Pour Placelet. C'est Romano. Oui, c'est moi, ouais, c'est ça. Mais écoutez, toujours, j'ai rien reçu. Ah, bah ouais, t'as rien reçu, mais bon, de toute façon, je t'ai rien envoyé, moi. Tu te souviens quand on faisait l'amour? Allô? Comment? Tu te souviens quand on faisait l'amour? Gothique, t'es toujours en Bourgogne? Oui, je suis au cimetière. T'es au cimetière. C'est la gothique, c'est elle. Elle passe son temps dans les cimetières, elle adore. Romano, on l'a retrouvée. Mon amour, je vais te rejoindre ce soir. Rendez-vous à minuit et demi au cimetière. Oui. C'est Bruno? C'est Romano. Romano. Ah, d'accord. Ouais, donc je viens. Elle se rappelle? Encore plus dégueulasse qu'à l'époque. Bon, à minuit et demi, je suis là, ma chérie, et nous ferons l'amour. Oui. Je suis d'accord. Comme à l'époque. Oui. C'était bon. Et ta mère. Rue d'Oxon? T'es toujours aussi cinglée? Oui. Oui, oui. Ah, ah oui, c'est elle, forcément. C'est elle, sûr. T'as vu, Romane, t'es content? Toujours en train de prendre des cachets roses, celle-là. Non, les bleus. Ah, les bleus maintenant. Allez, passez au plus fort. Elle envoie la dose. Je vous adore. Ah, ben moi aussi. Moi, tu sais que je ne t'ai jamais oublié. Tu sais que. Moi non plus. Elle non plus. D'Ivoire, une petite question juste. Ton fils, ça serait pas le mien, le nôtre? Ah, ben ça, je sais pas. J'ai pas fait encore d'un cas. Ah, ben il va falloir qu'on étudie ça, test ADN et tout. Hein. T'es content, t'as un fils. Mais il est adopté en plus. Ah ben voilà, c'est peut-être moi, merde. Ah bah oui, c'est toi qui l'as fait. On en parlera à minuit et demi au cimetière tout à l'heure, comme à l'époque. D'accord, allez, à bientôt. À tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure. Bisous, bisous. Gros bisous, moi. Bisous, ma gothique. Gros bisous. Et ben voilà, Romano, ta gothique, elle est toujours là. Elle t'a pas oublié. Elle a pris un coup de vieux quand même. Oui, elle continue de fréquenter des cimetières. Ouais. Et ben c'est bien, elle. Ah bah à minuit et demi, voilà. Non, mais c'est énorme parce qu'elle était portugaise, ta gothique, en plus. Ouais. Bah, comme la dame, pareil. C'est la même. En Bourgogne, gothique, portugais. Et alors, qu'est-ce qu'on dit à Difool? Ah ben merci. Ah, tu vois. Tiens, pour un peu, c'était sa mère. Hein. Tu nous raconteras demain comment ça s'est passé demain matin dans le morning. Tu nous diras si t'as couché avec elle. Ouais, bah bien sûr. Bah, j'imagine, là, je passe une nuit de folie. A priori, elle a l'air très très chaude. Ah ouais, bah. C'est elle qui a dit je t'attends au cimetière. Oui, c'est elle, ouais. Et ben voilà, on a retrouvé la gothique. Demain, on part à la recherche de Pokipu. Donc je lance un appel, si vous connaissez Pokipu, l'ex de Romano, vous n'hésitez pas à nous laisser les numéros. Ouais, ce sera peut-être plus dur à trouver. Je vous demande donc des Pokipu et puis des têtes de tortue également, parce que têtes de tortue, qui sait, quelqu'un qui parlait comme ça. Ouais. Elle a un problème au niveau de la bouche. La lèvre du haut qui tombe sur celle du bas. Qui va ouvrir la bouche. Donc tête de tortue demain, et puis donc Pokipu et les autres, pourquoi pas. Vous avez les numéros d'ex de Romano, vous nous les envoyez. Et demain soir, eh bien Romano, tu vas peut-être une nouvelle fois être tout dur dans ton petit slip. Ouais. Il a les mains, regarde. T'as vu où il a les mains? Ouais. Ah, bah, attends, ouais, ça bouge. Bah grave, je suis en train de me branler, Marie. Ouais, mais ça c'est normal. Bah assistant, j'ai quand même parlé à la gothique. Et ouais, je vous l'avais dit que j'avais une super surprise pour lui. Regarde le nombre de messages qu'on reçoit. Merci Difool pour ton ami Romano. Ah bah encore des gens qui disent que un ami comme toi, Difool, ça n'existe pas. Mais si. Je suis prêt à tout pour toi, pour te faire plaisir. Foutez-moi la paix. Pas tout ou presque, pas d'argent, hein, je précise tout de suite. Vous m'habillez? Non. J'ai Farid au téléphone, ça te va? Téléphoner. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Mais il va falloir que tu t'enfuis tout de suite. Hein, mais bien sûr. Obsédé. Le double appel de Difool sur Skyrock. J'ai une bonne bite là. Ta obsédé. Gueule. Ah bah ça fait une bite de plus, Marie. Ça fait la bite de Patrick en plus. Ah putain. Et puis elle doit être belle. Bon alors, Patrick est prêt pour parler aux familles si on a besoin. Salut les filles. Oh mais j'entends Cédric qui est prêt aussi. Mais oui, il est prêt et il est heureux avant de se faire opérer. Bah je vais te brûler. Ah, donc on appelle plusieurs. Allô. Oui. Bonjour. Allô.
Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui? Oui, vous êtes? Oh, bah, c'est pas moi qui appelle, c'est vous. Bah, ça me marque privé, je sais pas du tout ce que c'est. Bah, alors, il marche pas. Allô? 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 Oui, j'écoute. Allô? Bah, c'est moi qui écoute. Mais il y a personne au bout, alors. Allô? Bah, je comprends pas, là. Vous appelez qui? Bah, moi non plus, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, on est plusieurs sur les lignes. Ah bon? Bah, écoutez, oui, parce que j'ai une autre dame, j'ai vous. Allez, non, bah alors. Vous appelez quel numéro? Moi, non, non, on m'appelle, moi. Ah bon, d'accord, bah, moi aussi. Alors. Je comprends plus, là. Bon, bah, écoutez, on va raccrocher, on verra non, bien, non. Hein. Oui, à vous aussi, monsieur, au revoir. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Bah, écoutez, c'est vous qui avez appelé? Absolument, oui. Moi, on m'a décroché aussi. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? Mais non, attendez, je comprends pas ce que vous voulez, là. Expliquez-moi. Moi, j'ai eu un monsieur qui vient de raccrocher, qui m'a dit... Allô? Je suis sur... Allô? 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 Oui? Mais c'est pas possible, ça fait trois fois. Oh là là. Bah, bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y en a marre, hein. Allô? Oui, qui c'est ça? On m'appelle, et une dame, ça fait trois fois qu'elle m'appelle. C'est qui est l'appareil, là? Patrick. Patrick? Ben oui, mais moi je suis Serge. Voilà. Et puis il y a une dame qui m'appelle. Ben, il y a un mélange de fils. Oui. Oui. Comment? J'écoute. Oui. Vous m'appelez, donc j'écoute. Ah bon? Ah bah non, non, non. Bah oui, mais... Ah bah si, la preuve. Et c'est un appel masqué en plus. Oula. À qui ai-je affaire? Patrick. Oui, d'accord, mais Patrick comment? Et je voulais entrer dans le Guinness Book des records. Ah merde. Qu'est-ce qu'il raconte là? Je comprends rien à vous, ce que vous me dites, hein, monsieur. Le caca, c'est bon. Ah. Oui, d'accord. Bon, c'est toi qui payes, hein. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon gars, hein. Tu payes, donc moi, je m'en branle de ce que tu me dis. Je me fais baiser. Bah, bien ah, sûr, bien sûr, bien sûr. Hein, en plus, on appelle masqué, c'est toi la gonzesse. C'est toi la gonzesse, t'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, mon gars. Mais enfin, ça, hein, chacun fait comme il veut. Hein. Tu veux te faire sodomiser, là? Non, c'est toi qui vas te faire sodomiser. Moi, ça fait longtemps que c'est fait, t'inquiète pas. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Oh, bah alors c'est bien. Bah, je te remercie de ton appel, hein. Salut. C'est excellent, là. Ah bah oui. Ah, Patrick, excellent. C'était comment, Patrick? Il a tapé la discute. Eh, hey, vous savez qu'on en a appelé combien? 6, Samy? Ouais, 7 même. 7. Ouais, parce qu'il y en a qui répondaient pas, après j'en ai balancé d'autres, machin. Voilà, on en a appelé 7. Je remercie la dame avec la très belle voix du début. Je remercie la deuxième dame qui parlait comme ça et lui qui était pas mal non plus. Hein. Ouais, qui parle avec Patrick, tranquille. Et avec Cédric. Eh ouais. Vous avez entendu. Bravo, Cédric. Hein. Je me suis trompé sur un bouton à un moment, j'ai envoyé n'importe quoi, l'autre il a répondu quand même. Mais c'est pas mal. Hein. Merci, Cédric. Salut les filles. Salut, Cédric. Et merci pour ta participation et bonne chance pour demain à l'anesthésie. Ouais, bonne chance au médecin, oui, surtout. C'est ce que je disais, Romano. Je vous dirais même, kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Hello. Hey, salut les gars. Oui, bonjour, ça va? Ah, beaucoup. T'es qui? Mais j'hallucine de ma vie. C'est quoi? Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau? Ouais, je suis beau. Bah, carrément même. Je vous propose, ce soir, petit plateau télé à la maison. Ah, super. Devant un petit film cool, un peu genre l'étudiant ou la boum. Super. Ouais, c'est super ça. Avec Sophie Marceau. Ouais, bah, va te soulager dans les toilettes, t'as trop du bien toi. J'aime bien les gens qui me résistent un petit peu. Allô? Ah, ça va. Kikou les boys and girls. Kikou les boys and girls. Waouh. T'es gentil, la connasse au bout. T'es mignonne. Quand on voudra ton avis sur la couleur de cheveux d'Evangélie ou pour parler de musculation, on t'appellera. Voilà. Alors, c'est quoi? Où t'as eu notre numéro? Qui tu es? C'est Mathieu Delormeau. D'accord. Et comment ça se fait que Mathieu Delormeau nous appelle, s'il te plaît? Aujourd'hui, je vous apprendrai à danser la Delormeau Dance. Ah, on accueille les danseurs. Super. Dance la Delormeau Dance. Vas-y, danse-moi. T'en as sous le cerveau. J'ai deux passions. La Canterbro et la Chronombourg. Quoi? Moi aussi. La Canterbro et la Chronombourg. Également les la 8-6. Ouais. La Canterbro et la Chronombourg. Mon chéri, viens, on y va. En v'là une idée qu'elle est bonne. Et ma main dans ta gueule, ça ferait... Ouais, une jolie barrette. Non, ça c'est mon pied dans ton nez, ça ferait une jolie barrette. Bon, bah, ça y est, les amis, hein. C'est parti de la grande famille. Mais carrément, mais viens, tu sais quoi, toi, tout ce que tu veux, vas-y, la porte est ouverte. Les amis, quelqu'un peut m'ouvrir? Attends. Oh,
Il y a quelqu'un qui sonne chez moi. Allez, ciao. Allez. Oh, je vais me barrer. Ciao, bah non, mais elle est partie. Ah, ça y est, elle est partie. Eh bien voilà, c'était Mathieu Delormeau ce matin dans le réveil de Star. Ah, le mec, il, en tout cas, tu passes une soirée avec lui. C'est il le danse. Rêve. Ah, c'est clair. C'est le rêve. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est les musiques sur lesquelles il danse. Hein. Ah, c'est ça? Ouais, ouais, c'est les musiques sur lesquelles il danse. Ah, très bien. Celle que je préfère, c'est quand même. Il a le boulard, on nous dit là, c'est Bob qui nous envoie un message. Complet, ouais, non mais il se kiffe lui. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, il est amoureux de lui-même. Ah lui, lui se trouve trop beau, il se trouve au top. Hein. Ça s'entend un peu, tu vois, comment il la preuve. Ouais, je suis beau. Ouais? Bah ouais. Il est beau, il est beau. La Dolor Modens. Là, tu le connaissais par cœur, t'as vu, hein? Ah ouais. Et ouais. Elle s'est trompée, la chanson, c'est J'ai deux amours, la Canterbro, la Cronenbourg. C'est pas J'ai deux passions. Ouais, ah, mais c'est pour la rime. Ouais, 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 pareil. Ah, tu connais par cœur. Bah, c'est connu, ça. J'ai le amour, la Canterbro, la Cronenbourg. Ah oui. Très bien. La Canterbro pour faire popo. Comment tu le trouves, Romano, quand il chante la Canterbro, la Cronenbourg, Mathieu Delormeau? Ah, oh là là, il est beau. Il est beau. Oh, il est calme. Bah, je vais arrêter de chanter, du coup. Il est beau. Waouh, c'est con, mais je suis ému. Hein. Oh, il est ému quand il te voit. Ah, bah, il est ému, ouais. Et ouais, c'est magnifique. Tous m'ont dit que vous n'aviez jamais été aussi beau. Ah ouais, moi non plus. Ah non, mais c'est clair. Mais ouais, ça c'est sur Romano, vraiment. Il te parle. Je te l'ai dit, te kiffe. Bon, eh ben, on a bien rigolé avec cette histoire-là. Ah ouais. On avait fait d'autres, fallait être à l'écoute ce matin. Ah ouais, et demain il y en aura d'autres, mais avec quelqu'un d'autre. Ah oui, demain je sais pas qui c'est qu'on fait, ça démarre dès 6h10, hein, le réveil de Star dans le morning sur Skyrock tous les matins, avec les 1 500 € à choper aussi. Tiens, inscrivez-vous, envoyez 1 500. Le double appel, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Default sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Bah, tu vas reculer, quoi, là, ça. Et voilà, Marie, prends ça dans la gueule. Ah ouais, direct, mal. Quoi, sympa. Alors, le double appel, c'est tous les soirs sur Skyrock. On prend les numéros que vous nous laissez et on appelle les numéros que vous nous avez laissés sans rien leur dire. C'est comme ça que ça se passe. Patrick peut intervenir. Je crois qu'il est là. Ça va, Patrick? Bah, très bien, là, bon. Ah, bah, écoute, ça nous fait plaisir que tu ailles pas très bien, là, bon. Merci, Patrick. Ça fait plaisir. On y va tout de suite. Okay. Allez, c'est parti. Ok, c'est le double appel. Absolument. Absolument. Et on appelle qui, Samy, ce soir? On appelle Cyril et Laurent. Cyril et Laurent. Dans le 16 et dans le 80. 16 et 80. Donc on a pris les numéros que vous nous avez laissés. On a pris un numéro que vous nous avez laissé dans le 16. Un autre que vous avez laissé dans le 80. Ils ne se connaissent pas, évidemment. Hein. Ah bah non. Et donc on va les mettre en contact tout de suite. C'est ça la magie du double appel. Ah, c'est fantastique. La magie de Skyrock, bien sûr. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Ça va. Allô? Allô? Oui? Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ah, c'est bon, là. Allô? Allô, allô? Moi, je suis Patrick, hein. Pourquoi parle pas? Parle. Bon, allez, hop. Allô? Allô? Ouais. Allez, vas-y, balance-lui un truc. Moi, je suis décaloté complètement. Allez, voilà. T'as mis un petit peu d'eau dans la chatte, là? Et je peux dire que je vais te baiser. Tu la branles bien, là? Elle est partie, vous avez entendu? Elle est partie, discrètement. Tout, ouais. Discrètement. Elle s'est dit, là, je vais m'en aller, le monsieur n'est pas normal. Ça va, les deux, là, quand tu les appelles, elles ne parlent pas. Elles disent allô, mais ça s'arrête ouais, là. Ouais, c'est super. Oui, moi, je m'attendais à ce qu'il lui demande, bon, comment tu t'appelles? Bon, au bout d'un moment, il s'est présenté, Patrick, hein, on a été obligé. Hein. Bah, pas ouais. Le choix, hein. Heureusement que Patrick était là, quand même. Oui, bah, oui. Heureusement que Patrick. Parce que ça causait pas des masses au niveau des familles. Et toujours là, on aurait pu lui présenter Cédric à la dame. Salut les filles. Salut les filles. Salut les filles. Vas-y, Samy. Vas-y, c'est parti chez Arnaud et Michel. Allez, Arnaud et Michel. Et Michel. Putain, qu'ils sont plus causants. Dans le 80, mais là, avec le 62, ce coup-ci. Alors, le 80, le 62. On est chez les Picards et les Nordistes. C'est ça. Ouais. Ça va faire du 1 dans tous les sens. C'est qui nous a filé? Ah, il y en a deux qui ont filé les numéros, ouais, là. Deux numéros différents. Ouais. Deux numéros différents, très bien. Merci à Jamel et à Arnaud. Yes. Jamel, c'est quoi? C'est le 80. Ouais. Et Arnaud, c'est le 62. Allô? Votre correspondant. Ah, bah, tiens. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Hein? Oui, comment vas-tu? Allô? C'est quoi ces conneries? Mais qui êtes-vous, là? Bah, qui êtes-vous? C'est vous qui m'appelez, c'est pas moi? Ah non, vous venez de m'appeler? Non, non, pas du tout. Ah bah si. Ah bah, si. C'est Jean-Phi? Bah oui. Salut, c'est Marilyn. Bah, téléphone arrête pas de sonner en me disant c'est la femme d'Eric, puis en fin de compte, bah, je sais pas. Moi j'ai la même chose, et on me demande Véro. Ouais, mais je sais pas ce que c'est que ces conneries, mais
Puis alors, je sais pas pourquoi on est en relation, du coup. Bon, bah écoute, désolé. Là, j'ai rien à voir le truc, machin, les forces de l'ordre, tu sais pas quoi. Oui, moi j'ai entendu ça aussi, puis après, après je t'ai eu, donc je sais pas trop ce que c'est que ce bordel, mais. Je pense qu'il y a des petits andouilles qui s'amusent avec. Oui, mais c'est ce, que... Allô c'est ce qu'on disait avec Véro, toi. Bon, et bah écoute. Allô t'entends allô quelque chose derrière? Non, j'entends rien, moi. Je viens d'entendre allô, moi. Non, bon, bah écoute. Ouais, j'ai une bonne bite surtout, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, allez, au revoir. Allô. Ciao. Allô. Oui. 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 Une corne de brume. Oui. Allô. 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 Oui. Oui. Qui c'est? Oui, mais non, mais il y a pas marre d'être con, là, à la fin. Ah, bah vous aussi, vous êtes emmerdé. Bon, ben... Ferme ta gueule, surtout. Mais il y en a marre, à la fin. Bon, Dieu, c'est ce que ça veut dire, ça. J'en sais rien. Attention, parce que moi, j'aurais retrouvé les numéros, hein. Mais retrouvez-les, ça m'arrangerait, parce que ce serait pas mal, aussi. Ouais, connard, va. Connard, va. Bah, celui-là, il est... Bah... Connard, moi. Allô. Salut les filles. Allô, quoi? Connard, moi. Ah, l'autre, il était tout sympa, il s'est fait maltraiter, quoi. Ah, les deux premiers se connaissaient, il y en a un troisième. Il y a un troisième qui est arrivé, qui parlait comme ça, là. Connard. Bonjour. Bonjour. Connard. Ouais, ferme ta gueule. Eh, les deux premiers se connaissaient, ça s'est bien passé, Jean-Philippe et je sais plus qui, là. Marilyn. Ah, Marilyn. Jean-Philippe et Marilyn, sympa comme tout. Et l'autre qui arrive à la fin avec sa corne de brume derrière. Les connards. Oui, oui. Voilà. Ouais. Nous aussi, on a des, oui. On a des instruments dans l'équipe. Exactement. Ah, espèce de connard. Bon, ben, c'était pas mal ceci. Donc, ça, c'était la famille de Jean-Phil, la famille d'Eric, la copine d'Eric. Ouais. Et Connard qui est arrivé à la fin. Alors, lui, on ne sait pas comment, qui s'appelle. Oh, Connard. Voilà. On va l'appeler comme ça, du coup. Voilà, on sait ce qu'on a rajouté au dernier moment. Il était pas mal, Connard. On remercie Monsieur Connard et on remercie tous les autres, bien sûr. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que tu veux? Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez, là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Le double appel de Default sur Skyrock. On aimerait bien te toucher. Va te faire enculer, connasse. Et voilà, va te faire enculer, connasse. Une famille très sympa qu'on avait eue. Donc, le double appel des familles sur le 41-759 sur la piste Skyrock. Vous nous laissez les numéros de téléphone qu'on doit appeler en direct. Et on les appelle ce soir. Samy est en train de composer les numéros qu'il a testés juste avant. Ouais. On a des bonnes familles, j'espère, ce soir. Samy, j'ai pas pris des nouvelles des familles. Comment elles étaient? Pascal et Jean. Pascal et Jean qu'on va essayer de mettre en contact. Ils sont ultra chauds. Ah, c'est ultra occupé là par contre. Je crois qu'ils sont trop chauds peut-être. Ah, ils sont peut-être trop chauds. C'est ultra occupé, c'est Pascal et Jean. Il y en a un qui sonne. Ah, c'est bon là. C'est bon, ouais, ça y est, c'est parti chez les deux. Les deux, on les appelle. Pierre et Pascal. Alors, c'est Pierre et Pascal, c'était Jean qui était occupé. Allez, bah, on laisse tomber Jeannot. On appelle Pierre et Pascal. Vous pouvez nous envoyer le numéro pour nous l'appeler tous les soirs au 41-759 et sur l'appli Skyrock. Vous n'hésitez pas. Bonjour, vous êtes sur la messagerie 03-27-92. Oui. Alors, on va peut-être enlever le numéro en entier. On enlève le numéro en entier. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, mon kiki. Ici Pierre, vous pouvez aider. Répondeur, rappelle-toi. Allô. 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 Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Vous êtes qui? Ah, mais je sais pas, c'est vous qui m'appelez. Alors, vous devez savoir. Ah non, ça vient de sonner. J'ai décroché. Je suis désolée. Ah ben, c'est pour moi. Je vous ai pas appelé. Hein, ça, c'est sûr et certain. Bon, ben, écoutez, moi, ça vient de sonner. J'ai répondu. Je suis désolée. Mais non, mais j'ai des emmerdes de téléphone depuis ce matin. Alors. Ah ben, enfin, écoute, ça vient de sonner. Moi, j'ai répondu. C'est Michel. Oui. Ah oui, c'est Evelyne. Ah ben, Evelyne. Ah ben, il y a des gros problèmes. Hein. Un problème. Ben non, ça vient de sonner, j'ai décroché, j'ai dit allô. Ouais. Ah ben non, parce que je viens d'avoir un coup de fil, quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis. C'est ton voisin. Yeah. Ah ben oui, ben toi, c'est une arnaque. Parce que moi, là, il m'a dit, je dis, j'ai pas de voisin qui s'appelle Jean-Louis, mais si, ton voisin. Ah ben attends, je t'entends mal. Je te rappelle dans 2 minutes. Bah oui, bah voilà, bah nous aussi, bah c'est bizarre. Ah bah c'est bizarre, là, puis toi que... Ah bah je te jure, là, je sors de la salle demain, alors, tu vois... Bah oui, et puis moi j'avais le téléphone sur la table, parce qu'on a dit, bon, si jamais il rappelle, le gars, ouais. Et ça sonne, j'ai dit, je vais décrocher. Bah oui, et en plus, moi, ça m'a affiché privé en même temps, quand j'ai décroché. T'es pas en privé, toi? Bah, j'ai pas fait gaffe, parce que tu vois, j'ai... Attends, là, c'est marqué quoi, là? Ah, j'ai pas mis mes lunettes, moi. Attends, là, c'est marqué.
Indisponible. Ah ouais, c'est marqué indisponible. Ah ouais, heureusement, c'est marqué privé. Privé. Oui, il y en a qui s'amusent avec les téléphones, là. Ah oh bah oui, donc ça a fait. Bon, bah écoute, c'est pas grave, on a résolu le problème. Excuse-moi de t'avoir mal répondu, parce que... j'ai trouvé bizarre, quelqu'un qui m'appelle, je savais pas qui c'était. Bah ouais, et puis toi, c'est bizarre, parce que les lignes sont quand même bizarres, parce que ça sonne chez moi et ça sonne chez toi, donc c'est bizarre. Ah ouais, ouais. Oh, mais ça, c'est encore une magouille quelconque de téléphone, ça. Ouais. Allô ? Hein ? Allô ? Ouais, il y a quelqu'un qui est sur la ligne en même temps, hein, Michel ? Oui ? Il y a quelqu'un qui est sur la ligne en même temps. Ouais, d'accord. On va appeler les flics et puis comme ça... Voilà. On va faire contrôler les téléphones par les flics et puis c'est tout. Hein ? Oui. Hein ? Oui. Allez, salut Michel. Allez, salut. Allô ? Attends. Allô ? Oui. Allô ? Et ça vous amuse de nous appeler comme ça ? Ah ben je sais pas qui c'est qui s'amuse à nous appeler, à nous faire chier. Oui, ben nous aussi, hein. Ça nous amuse pas du tout, hein. Je vais prévenir les flics, hein. Ah ben écoutez, madame, je sais pas qui vous êtes, mais ça fait la troisième fois que j'ai quelqu'un et j'ai des autres personnes en même temps. Ben moi aussi. Ah ben oui, moi, là je viens d'avoir madame Bali qui a eu la même chose, qui habite à Charolles aussi. Charolles, c'est quelqu'un qui s'amuse, de Charolles, qui oui. Et qui s'amuse avec les téléphones. Il branche pas en même temps. Excusez-moi, c'était vous qui aviez appelé, hein. Ah non, je vous jure que j'ai pas appelé. Madame Bali dit la même chose. Vous êtes qui, vous? Comment? Vous êtes qui, vous? Moi, c'est monsieur. Voilà. Ah bon, Michel Bourg. Mais nous, c'est Bernard. Eh ben voilà. Bah, oui, mais j'ai eu une ligne qui a fait la même chose. Il y a petit grand Bernard sur la même ligne. Ah ben oui, voilà. Ah, voilà, j'ai eu la même chose. C'est des appels masqués. Excusez-moi, hein, mais... Allô? Et là, il doit être sur la ligne en même temps que nous, en plus. Allô? Comment? Ah ben, il y en a encore un, là? Oui, il y en a encore un, là. Oh, ben, moi, je suis Patrick, hein. Mais quel Patrick? Hein? Oui, bon, on va appeler les flics, madame. Oui, on va appeler les flics, hein, oui, ça commence à faire. Ça commence de bien aller, hein. Allez, au revoir, Michel. Michel, voilà. Michel. Allô? C'est fini? Ah, ouais, terminé. Ils sont tous partis. Ils étaient mignons, c'était un triple appel en fait. Ça a commencé par un double appel, on a rajouté une dame qui était à bout de nerfs. Ah ouais, elle était à bout de nerfs. Et Romano, une petite question que je vais te poser. Bah, Charolles. Nous sommes pas en Bourgogne. Ah bah si, c'est en Bourgogne. C'est en Bourgogne. Charolles, c'est en Bourgogne. Nous étions à Charolles. Très bien, la Bourgogne. Charolles, en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Ah bah, c'est pour ça que ça parlait comme ça. Putain, les R que vous faites en Saône-et-Loire là. Ah ouais, c'est des vrais. C'est la Beurche. Ah, très bon. Le ballon était dans la Beurche. Ah, très bon ce double appel. Hein. Même ce triple appel. Ah, ça a pu à Lolop. Bonjour Lolop, il a 19 ans, il nous fait trop bien les deux là. Pas les deux, les trois. Excellent celui-là pour Snowware, 32 ans, qui nous fait champion. Il y a Timmy qui nous dit trop fort les bœufs. Pourquoi tu dis les bœufs? Bonjour Mathieu. Ils étaient gentils comme tous les familles. On est la bœuf. On est quand même pas les bœufs. On est pas les bœufs. Hein. Je vous dis que c'est une magouille de téléphone. Bonjour, ça va prévenir les... Et comment vous dites arnaque? Parce que le mec il a dit une arnaque sur le téléphone. Arnaque. Ah, c'est arnaque. Arnaque. Eh bien vous avez appris à parler bourguignon. Merci Elodie. Elodie Catch. Hello Catch qui nous laisse un message. Super le chou rappel. Il était super. Excellent bordeur. Si on a le temps, on s'en fera un autre là tout à l'heure. Parce que moi ça va chauffer cette histoire là. Bon, les problèmes dans les transports. Racontez-nous. Vous avez eu des problèmes dans les transports. Que ce soit dans un bus, dans un tram, dans un métro, dans un train. Vous nous faites signe, on parle de Maëva. Eh oui, Maëva. Tiens, essaye de l'appeler Maëva. Elle m'a dit qu'elle serait à la maison vers 10h moins quart, 10h. Donc on est pile dedans. On essaye de joindre Maëva, elle va nous raconter ce qui lui arrive dans les transports. Attention, c'est chaud cette histoire. Vos anecdotes dans les transports, on y revient. Ouais. Et tout à l'heure, le problème du mois, on n'en a pas encore parlé. Enfin, je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission. Eh ben, il aura bien les belles lieux. Il aura bel et bien les belles lieux. On va aller sur le net ce soir et aller voir quels sont les problèmes des gens, les forums, enfin tout ça. Ouais. On va se l'occuper tout à l'heure. J'en ai 5 à vous proposer, on en prendra un. Tous ensemble. Ça va être bon. Allez, à découvrir tout à l'heure dans la Radio Libre. Et puis, vous avez besoin de nous. Vous avez un truc à nous demander. Vous voulez parler d'un truc. Vous voulez parler à la France entière. C'est évidemment sur Skyrock que ça se passe tous les soirs. 01 53 40 30 20. Vous nous passez un coup de fil sur le 41 759 et sur l'appli. Vous nous laissez vos messages et on vous retrouve tout de suite sur Sky.